Alors, bonjour à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en Europe. Bonsoir à ceux qui sont en Afrique. Et bonjour au très particulier à ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, partout. On attend un peu, une minute, après on se connecte tranquillement. Voilà, on attend. Voilà, je vois tout le monde se connecter rapidement. On attend encore juste 2 minutes. Merci. Le temps pour moi également de lire 2 ou 3 commentaires, voir ce qui se passe. Voilà. Également en même temps les commentaires. Il faut partager comme ça ceux qui nous insultent là, qui viennent prendre la bonne information. Oui, Brice, révisez bien tes arguments. Bonjour Bernadette, Jofan. Bonjour à ceux qui sont connectés. Voilà, je sais pas, j'ai un bruit un peu désagréable à l'oreille, je sais pas trop. On se connecte, s'il vous plaît. Comme ça, je vais également ouvrir la ligne à ceux qui voudront en parler. Je profite pour ouvrir la ligne à ceux qui voudront prendre la parole tout à l'heure. Là, je vais ouvrir la ligne. Voilà. Bah, bien évidemment, c'est pas maintenant. Donc, voilà. C'est fait. Bonsoir, Diamant. Bonsoir. Là, je lis mieux les commentaires. Hein. Avec le troisième écran. Voilà, on dit que tu étais dans le direct. Violette, est-ce que ça laisse tout le monde dans le direct des Congolais là? Oui, j'étais là-bas. Alors, la petite histoire, c'est que j'étais là, c'était les premiers jours, hein, je vais en connecter le lien. Tout le monde partage le lien. Alors, j'ai des amis qui sont Congolais. Et du coup, je suis parti regarder de quoi ils retournaient. Je me suis marré, j'ai même fait un commentaire en fait parce qu'il y avait un monsieur qui appelait pour dire non, c'est pas bien, c'est ceci, il faut pas suivre. Après moi j'ai intervenu justement en disant sur Internet quand on n'aime pas une page, on n'y va pas. C'est-à-dire quand on n'a pas envie de regarder quelque chose, on n'y va pas. Ça ne sert à rien d'aller faire la morale à quelqu'un qui ne t'a pas invité sur sa page. Et généralement c'est des pages privées. Voilà pourquoi j'étais là-bas chez, je crois c'est Jelena TV. Je suis parti là-bas pour regarder ce qui se passe. J'attends que nous soyons 100 personnes, nous commençons. Voilà, on ne perd pas de temps. 2 minutes encore, on attend encore 20 personnes.
Donc ce soir, je vais répondre comme ça à mon frère et à mon frère qui a choisi d'être un transfuge, à mon frère qui a fait un grand direct aujourd'hui. J'ai vu, il y avait 11 000 personnes connectées. On va réécouter qu'un bout de ce qu'il a dit. Après, je vais lui répondre officiellement. Ensuite, nous allons faire le point avec le COVID, le coronavirus qui sévit au Cameroun actuellement. Nous avons quelques vidéos que nous allons diffuser, des vidéos de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour la sensibilisation sectorielle. Et bien évidemment, nous allons beaucoup nous appesantir sur la loi antiterroriste au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de gâter leur vie, d'hypothéquer leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Vous êtes en train de vous hypothéquer votre liberté sur 10 ans. Parce qu'on vous a fait croire qu'actuellement, là, c'est Paul Biya le problème, c'est Paul Biya la solution, c'est Paul Biya tout. Donc, on vous entraîne dans quelque chose dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun, c'est un état de droit. Et moi, je suis juriste. Et 80% de tous ces jeunes-là, aujourd'hui, là, que vous voyez au Cameroun, ce sont mes camarades. 80%. Qu'ils soient des procureurs, qu'ils soient des magistrats, qu'ils soient des administrateurs au niveau des impôts, des finances, ce sont mes camarades dont nous avons une même formation. Et c'est des gens qui vont vous mener la vie très dure demain parce que c'est des très bons juristes. C'est des gens qui connaissent bien la loi. Et nous tous, nous étions à soi, donc des gens qui ont matriculé le 95 jusqu'en 2000, 2002. C'est des gens actuellement là qui ont le pouvoir judiciaire au Cameroun. Et c'est des fins limiers, c'est des stratèges, c'est des gens qui maîtrisent très bien la loi. Alors vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'il y a une loi qui a été délibérée et adoptée au Parlement. Je crois que c'était en 2014 et qui a été promulguée par le chef de l'État. Ça s'appelle la loi antiterroriste. Donc vous qui êtes en train de partager tout ce qui se passe sur Facebook là, c'est quelqu'un qui dit « Allons tuer les Camerounais », vous prenez, vous partagez. Quelqu'un qui dit « Nous allons faire », vous prenez, vous partagez. Quelqu'un qui dit « tous, quelqu'un qui dit « Nous allons acheter les armes », vous prenez, vous partagez. Je vous jure sur la tête de mes enfants que vous oubliez que le siège d'Interpol est à Yaoundé. Et je peux vous jurer que quand vous êtes une menace pour l'État, si petit soit-il, l'État va mettre tous les moyens en jeu pour vous déloger. Même si vous êtes dans le trou d'un rat, on va vous déloger. Donc, ne vous fiez pas sur Facebook. Vous n'êtes pas caché sur Facebook. Parce que vous avez changé votre nom, vous avez mis un prénom. Vous êtes dans l'insulte, vous êtes dans la menace, vous êtes dans la diffamation. Dites-vous bien que la seule personne aujourd'hui qui vous maintient encore en vie et en liberté, c'est le président Paul Biya. Celui-là même que vous êtes en train de vouloir descendre là. Parce que pendant son règne, il a décidé de ne pas condamner les gens. Or, la loi antiterroriste est bien claire. Et je vous lis seulement l'avant-goût. Parce que je vais la mettre en commentaire. Je l'ai en PDF. Et ce n'est pas une, c'est une loi qui a 7 pages. Hein? 7 pages. Est puni de la peine de mort. Il faut bien, je pèse bien mes mots. Est puni de la peine de mort. Celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, l'environnement ou le patrimoine culturel dans l'intention d'intimider, de perturber le fonctionnement, de créer une insurrection générale. J'ai dit bien le mot est clair, ça s'appelle est puni de la peine de mort. Et c'est une loi qui a 7 pages. Donc après le direct, je vais la mettre en PDF. Pour ceux qui n'ont pas accès à cette loi, elle a 7 pages, donc elle n'est pas, c'est pas beaucoup de pages. Vous pouvez la lire. Comme ça, vous qui passez votre temps à vous agglutiner dans un direct, on dit que le chef d'État est mort. Toi, tu publies que le dictateur, il a tué ci, il a tué ci, il a tué ci. Vous êtes sur le coup de la loi antiterroriste. C'est juste une question de temps. Vous qui balancez toutes les rumeurs, toutes les informations,
sachez que vous êtes sous le coup de la loi. Et je n'ai pas encore vous rassurer, je vois 112 personnes qui sont connectées, que je connais 80% des juges, des magistrats, des procureurs de la République au Cameroun, parce que je suis juriste moi-même de formation, et c'est des gens qui maîtrisent la loi. Parce que vous pensez qu'il suffit de dire mouf, après tu vas dire est-ce que c'est pour un mouf qu'on m'amène en prison? Non. Il y a ce qu'on appelle la qualification des faits. Et ces gars, c'est leur travail. La qualification des faits. Vous pouvez filmer une scène où quelqu'un dit ouais, il y a le génocide, que Paul Biya est un dictateur. Après, l'officier de police vous prend, il met les enquêtes, il fait son rapport. Le juge va requalifier ces faits. Vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme. On y reviendra sur l'apologie du terrorisme. Avec l'apologie du terrorisme, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en sursis. Et après ce direct, j'espère que vous allez prendre la mesure de la chose au sérieux. L'apologie du terrorisme. Tous ceux qui partagent, tous ceux qui partagent les rumeurs, les colportages, les diffamations, les fausses informations, tous ceux qui utilisent Facebook, les réseaux sociaux, sachez que vous êtes sous le coup de la loi antiterroriste. Il y a ce qu'on appelle l'effet de masse, mais la loi ne prend pas les gens en masse. La loi scinde cas par cas et requalifie. Tu peux être dans une salle où on décide d'acheter les armes. Si on condamne celui qui a initié le projet à une peine à vie, sachez que le fait que vous vous trouvez dans cette salle, vous ne vous en tirez pas avec moins de 10 ans. Ce ne sont pas des menaces, Brice Photo. Attends, je te mets ça à l'écran. Moi, je n'invente rien, je vais mettre le PDF. Ce ne sont pas des menaces, justement parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui ne comprennent pas la loi. C'est pour ça que vous voyez, mes directs aujourd'hui sont paisibles. Parce que les gens ne viennent plus en masse pour mettre les têtes de mort. Et les gens ne viennent plus parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et moi, ça m'arrange. Parce que demain, après-demain, vous allez aller toujours regarder le nombre de personnes qui téléchargent, qui mettent mes vidéos sur YouTube, qui prennent les extraits pour vouloir me calomnier ou m'accuser comme c'était le cas aujourd'hui. Et c'est là où vous comprenez que les gens n'aiment pas la vérité. Ce genre de direct, ils n'aiment pas. Ils préfèrent les regarder en sous-marin. Là, ils savent qu'ils sont cachés. Donc, voilà un peu les trois points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin. Mais avant cela, je pense que c'est obligé aujourd'hui. Je pense que c'est obligé. Nous allons diffuser deux ou trois vidéos de sensibilisation sectorielle et en langue. Et j'invite comme ça tous ceux qui ont fait des vidéos en langue, que ce soit en Bamilé, que ce soit en Sawa, que ce soit en Fulbe, en Etone, en Ewolo, de m'envoyer ces vidéos inbox parce qu'on va les diffuser chaque semaine dans le cadre de notre lutte sectorielle contre le coronavirus. Le ministre fait déjà assez sous l'impulsion du gouvernement à travers le Premier ministre. Nous devons encore faire mieux et plus pour accompagner justement ces initiatives du gouvernement en faisant ce qu'on appelle la sensibilisation sectorielle. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller sensibiliser les gens au nord. Les gens, ils ne vont pas t'écouter facilement. Or, si tu sensibilises les gens de ton arrondissement, de ton département, le message est direct. C'est ça que j'appelle la sensibilisation sectorielle aujourd'hui. Ça ne sert à rien de parler à tous les Camerounais, sachant très bien que très peu vont te suivre. Apprenons à sensibiliser dans notre secteur. Parce que si on sauve notre secteur, c'est une partie du Cameroun qu'on a sauvé, notre département, notre région, notre village. Donc, on va passer comme ça au tout premier message aujourd'hui qui nous a été... j'ai pris ça sur Internet. Écoutez cela. Abobodang Abotara, Meyin Mazmin Karmani Bouk. Bia Yemna Mano Kwanzing. Avon, ansan imolouman. A ouwe bor aboui, in amin tang ne bine vi. Borbo oui aboui, e borbo na dobra. Nga amasimin karna, asuna ou sala, ou kwanoui. I djusou, temia bar oub ne imolouman de ou olinga, soa de bongwana, soa de ou za soya. Tage, temia bar souk ne mwa. Akol kwi,
yon botorite ngwam na be min karna yon dili okwano umania. Dafe, mi belne, mi sop mwa yon iso. E soba, mini sop mwa, e soba. Mi bela fe, jom zingare ya enena, abogaso utwanda dwe, wona tum 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 tum, unga ki inyu manipis, abesera fina, utwa tum 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 tum, unga ki inyu mana ha, unga ki inyu mana bia, unga ki inyu mana festa, unga ki inyu mana son, tege, tabana man, I miye salo kwante nala. Jomte, da msimin jo imanibu inwala. Imokwama abe. Ma inma tamina mbamba mos. Zamba balabia. Ma hemino uloko. Abatara ababazan. Bibala. Ababazan abatara. Ma inma zimin karmani ibuk. Bia yemina manu kwane zing avon. Ansan imoluma. Awe borabui ina mintang na binevi borbu wi ya bui e borbuna dobra nda masimin karna asuna usala. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien ce matin? Moi je vais assez bien, donc je profite toujours du fait que j'ai 10 minutes là avant de commencer mon tour de travail pour vous passer un petit message. Donc je vois ces jours-ci qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur le lavage des mains, sur l'importance de se désinfecter les mains, de se laver les mains tout le temps pour barrer la route à ce coronavirus. J'aimerais apporter une petite précision, c'est que il ne suffit pas juste de mettre de l'eau sur les mains et le savon frotter et puis rincer. L'opération n'est efficace que si elle dure au moins 20 secondes, donc entre 20 et 30 secondes. 20 secondes, c'est à peu près la récitation d'un autre père, plus ou moins pour vous donner le timing. Et il faut bien se laver les mains. Ça veut dire quoi? D'abord mouiller, mettre de l'eau sur ses mains, frotter de cette façon, retourner, frotter par le haut. Faire la même chose de l'autre côté. Frotter entre les mains comme ça. Ou bien laver, nettoyer les ongles parce que le virus aussi peut se mettre dans les ongles. Donc il faut frotter de ce côté. Changer de côté. Faire la même chose de cette manière. Donc je vous ai déjà dit comme ça. Voilà. Vous avez le pouce aussi parce que le pouce étant un doigt qui reste à l'extérieur. Donc parfois en lavant les mains, on peut l'oublier. La même chose de l'autre côté. Prendre la main droite, frotter l'intérieur de la main gauche de cette manière-là et faire la même chose de l'autre côté. Donc, bien frotter les mains, bien savonner. C'est-à-dire que ça ne doit pas juste être l'eau, le savon, comme on fait d'habitude et puis on rince. Non. Sinon, la désinfection n'est pas efficace. Elle doit durer environ 20 à 30 secondes. Donc, c'est la petite précision que je voulais apporter. J'encourage tous ceux qui sont sur le front et même ceux qui sont à la maison parce que j'imagine qu'être à la maison, ce n'est pas non plus facile. Et j'encourage tous ceux qui nous aident voilà, à assurer la continuité de ce combat. Donc, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end pour ceux qui sont à la maison et à nous revoir très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien ce matin. Moi, je vais assez bien. Donc, je profite toujours. Voilà. Donc, c'était un peu les quelques messages de la soirée que je voulais partager avec vous sur le coronavirus pour dire aux gens qu'il faut privilégier aujourd'hui la sensibilisation sectorielle qui semble très efficace aussi parce que les gens vous écoutent, parce qu'ils se sentent plus proches de vous, parce qu'ils se sentent en sécurité lorsque le message est dit, soit en langue, soit en français, mais toujours plus proche de nous et plus efficace pour que le message
puisse passer très facilement. Et comme on a dit aujourd'hui, l'heure n'est plus à savoir si tel est du sud, si tel est du nord, tout le reste. L'heure est à ce qu'on appelle l'effort collectif pour tenter de faire barrière, pour tenter de faire barrière au coronavirus. Et c'est le plus important aujourd'hui, c'est le message qui sous-tend toutes nos actions aujourd'hui. Donc, ceci étant, je voudrais également qu'on passe un deuxième élément. Là, je reçois un autre message. Voilà. Bon, voilà, je vais lire des messages tout à l'heure parce que nous allons passer au deuxième point qui est très important. J'attends encore qu'il y ait 250 personnes. Nous allons revenir sur cette histoire de carte presse et de Calibri Calibro et de tout le reste. Il faut leur dire que je vais parler de ça, c'est aussi un droit de réponse. Parce que nous n'allons plus laisser le message, nous n'allons plus laisser la rumeur fleurir. Nous n'allons plus laisser les gens dire n'importe quoi. Nous allons apprendre aujourd'hui à réagir, à dire la vérité aux Camerounais, à dire notre part de vérité pour que le mensonge ne prenne pas le pas sur la vérité. Et aujourd'hui, nous allons... Narcisse laisse encore passer la dame pour ceux qui sont pas en, pour ceux qui ne sont pas du corps de métier. Ça, c'est Hermine, la demande de Sandrine. Hermine, oui. Hermine, nous allons repasser le message de la dame après. À la fin, je pense que ceux qui n'ont pas su pourront réécouter. Parce que nous sommes déjà un sujet qui est très important et qui inquiète beaucoup des Camerounais aujourd'hui. Mais je pense que c'est important. C'est, on ne peut plus, super important pour nous aujourd'hui d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. J'ai vu là, les gens m'ont lancé des fatwas, les gens m'ont menacé de mort. Les gens allaient regarder le direct de notre frère Ekan, le transuge Jipo Remingono. J'ai vu 11 000 personnes, c'est tout le monde qui m'a envoyé le direct. On a tenté de lyncher là-bas, on a tenté de lapider. Moi, je profite également pour lancer un message clair. J'attends encore un peu qu'il y ait assez de personnes. Je veux le redire. Je veux lancer un message très clair. Moi, je ne suis pas le président Paul Biya. Je ne suis pas le gouvernement. Je ne suis pas ce que vous avez l'habitude de menacer. Ceux qui me menacent en groupe, en tant que juriste, ceux qui formulent des menaces sur Internet là, et qui me menacent en groupe, à travers des commentaires. C'est des commentaires que je prends cas par cas. Je vais vous poursuivre, mais je vais vous faire condamner où que vous soyez. Je vais vous faire condamner où que vous soyez. Ça, c'est dans la formule de groupe. Vous me menacez en groupe en France, à Paris. Je suis à Paris. Pour ceux qui pensent que je suis caché, je suis là en France, bien vivant. Donc, je m'adresse à vous. À travers vos commentaires, à travers vos menaces inbox, en groupe, je vais vous poursuivre sur le plan de la justice. Et j'aurai gain de cause, j'aurai vos têtes. Ceux qui me menacent individuellement, j'ai deux actions contre vous. La première, parce que je suis dans un état de droit, je vais vous poursuivre. J'ai commencé à vous poursuivre en France, au Cameroun, dans le pays où vous résidez. Je connais le droit, je maîtrise parfaitement le droit. Si j'avais voulu, je serais magistrat hors hiérarchie aujourd'hui. Je serais magistrat hors échelle. Si j'avais voulu être avocat, je serais un avocat international. Si j'avais voulu être procureur, je serais procureur de la République. Donc je maîtrise parfaitement le droit et je vais vous poursuivre. Ça, c'est sur le plan purement légal. Maintenant, quand vous me regardez très bien, individuellement, c'est lui qui tente, je suis à Paris, c'est lui qui tente de me menacer, comme vous avez l'habitude, soit de verser la farine, soit de couler, soit de taper les gens. Ce jour-là, enregistrez ce direct parce que j'attends bien que vous soyez. C'est lui qui tente à Paris,
il y aura une seule issue. Ou toi ou moi. Quelqu'un va laisser sa peau sur place. Quelqu'un va laisser sa vie sur place. Je suis à Paris tous les jours, je travaille, je sors, je marche. Tous les jours. Comme vous êtes trop fort en groupe là, c'est bon en groupe. Celui qui tente individuellement de m'affronter, il y aura une seule issue. Où lui laisse sa peau là, où je laisse la mienne. Peut-être quand quelqu'un va mourir pour cette histoire, les Camerounais vont se calmer. Peut-être faut que quelqu'un meure, un Camerounais meure pour qu'on se calme. Pour que l'État se penche là-dessus. Je ne fasse pas mes directs, comme ça, ça évitera qu'on interprète dans mon direct. Téléchargez-le bien, coupez bien cet extrait parce qu'après, il va mettre long. Gardez bien cet extrait. Donc, celui qui me tente, soit de me lancer un caillou, de la farine, des œufs ou quoi que ce soit, soit de venir bagarrer avec moi, il y aura une seule issue pour nous deux ou bien pour nous trois. Quelqu'un va mourir. Si tu es trop fort, tu vas me tuer ce jour. Si moi je suis trop fort, je vais te tuer. Comme ça, ça va s'arrêter une fois pour toutes. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui meurt là pour que les autorités des différents pays prennent des mesures radicales. Donc comme ça, c'est clair pour tout le monde. Nous sommes dans des débats, des discussions. Nous sommes dans des débats idéologiques. Nous sommes dans des débats politiques. Quand vous optez pour la menace en groupe, quand vous optez pour la menace individuelle, je vous dis ce qui va se passer. Je sais détecter les gens sous faux profil. Je vous les prépare A plus B dernièrement. Je vous porte plainte. Et si la plainte ne suffit pas, quand vous venez m'attaquer, sachez que quand vous venez là, il y aura un seul survivant. Voilà, comme ça, on est clair pour une fois pour toutes. Ça nous évite tous les jours de se tirailler. On ne peut pas comprendre. On est quand même en démocratie, les amis. On est en démocratie. Vous dites ce que vous voulez. Personne ne menace de vous tuer. Nous disons ce que nous disons. Personne, vous n'avez aucun droit de nous menacer, de nous tuer, des menaces mortes ou quoi que ce soit. C'est ça la démocratie que vous n'avez pas encore assimilée. La démocratie, c'est justement la liberté à chacun de dire ce qu'il veut. Si tu n'es pas d'accord, il y a la loi, il y a des dispositions légales pour ça. Si tu n'es pas d'accord, tu supportes Kamto, c'est de ton droit absolu. Et nous, on lutte pour que toi, tu puisses le supporter. Parce que c'est ton droit de ne pas supporter le président Paul Biya. Moi, je supporte Paul Biya, c'est de mon droit de le supporter. C'est ça l'expression de la démocratie. Dès que vous franchissez ces barrières, vous êtes sous le coup de la loi. Et ça, tous ceux qui font des directs ne vous expliquent pas. Parce qu'ils font des directs. Moi, je suis l'une des rares personnes qui donne la parole, même à mes contradicteurs. Ils ne vous donnent pas la parole. Ils parlent pendant 2 ou 3 heures, vous partagez. Ça, c'est la parole d'un juriste, d'un chef de guerre. Et vous avez bien remarqué que je suis très dangereux. Comme vous-même, vous l'avez dit, je suis très dangereux. Je suis dangereux quand il faut me défendre, quand il faut défendre ma famille, quand il faut défendre ma tribu. Et enfin, quand il faut défendre mon honneur. Je ne voudrais pas qu'il y ait des interprétations après, machin, truc, tout le reste. Je voudrais que vous coupez cet extrait, bien vous le gardez au frais. Comme ça, quand je vais arriver demain, après-demain, c'est ce direct ici qu'on va ressortir. Donc, je me résume. Vous qui agissez en masse, parce qu'on a critiqué tel, vous venez en masse 3, 4, 5, 6, 20, 30, vous insultez la personne, c'est de la lâcheté. Sachez qu'il y a le droit pour ça. Comme je ne peux pas lutter contre vous en masse, je vais vous faire une plainte collective. Et je garde là, on va vous piquer un par un. Mais ceux qui sont très forts, comme les... qui s'appellent quoi, Guero, Kung, machin là, qui m'a menacé personnellement, j'ai toutes les captures d'écran. Et j'ai toutes vos adresses. C'est la loi qui va régler votre compte. Et en attendant que la loi agisse, moi je vous ai encore dit que je suis à Paris. Ne me cherchez pas loin, je ne suis pas au Canada. Celui qui se sent trop fort, il vient. Il y aura une seule issue, ou lui ou moi. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Une fois, on s'est retrouvé à l'ambassade du Cameroun quand on faisait les élections avec Paul Biya. J'étais là avec Atebankou. J'ai fait mon direct et je vous avais dit devant la police. Il y a un là, j'oublie son nom,
que si tu me touches encore, je te casse la tête. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai donné au policier. Et le gars a eu la chance parce qu'il ne m'a pas approché. Parce qu'il a lui cassé la tête. Vous étiez 300, nous étions deux. Ce jour-là, on n'allait pas mourir seul. Il faut qu'on se comprenne une fois pour toutes. Il faut qu'on apprenne à avoir peur des uns et des autres. Parce qu'on a l'impression qu'on a peur de personne aujourd'hui. Sachez qui peut vous faire du mal et qui ne peut pas. Sachez qui vous provoquez et sachez qui vous ne pouvez pas provoquer. Voilà. Et cela, ça s'appelle de la légitime défense. Je ne viendrai jamais vous provoquer. Je ne viendrai jamais vous menacer. Quand vous faites vos directs de merde, je ne suis même jamais là. C'est mes amis qui m'envoient souvent des liens quand on parle de moi. Vous ne me voyez jamais dans vos directs. Je ne mets jamais de tête de mort. Je n'ai pas de faux profil. Je m'en fous éperdument. C'est ça qu'on appelle la grandeur de quelqu'un. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le gères pas. Donc, je ne suis pas dans vos histoires. Et je suis préparé depuis Lyon. On est allé à Lyon. Je vous ai montré que je suis un chef de guerre. J'ai dit que Katino allait jouer. Katino a joué. Bien même. Et vous étiez là. Et ce n'est pas tout. Ceux qui sont au Cameroun et qui sont cachés et qui menacent et qui insultent, pour vous encore c'est trop facile. Il y a Orange, MTN, tout le monde a l'identification. Vous montez, vous descendez, vous oubliez que Interpol est basé à Yaoundé. Donc vous, toi qui es au Cameroun, caché là, qui menace déjà, parce qu'on n'a pas dit quelque chose qui ne t'arrange pas, parce qu'on a critiqué MRC, la base au camp de tout le reste. Sache que tu n'es pas caché. Et retenez bien ceci, que si quelque chose m'arrive, même Paul Biya ne pourra pas vous sauver. Si quelque chose m'arrive, vous avez vu tous les gens, je ne suis pas chef pour rien, pour être chef des écams, il faut être très puissant. Donc si quelque chose m'arrive, ça c'est très bien que même l'ONU ne pourra pas vous sauver. Quand l'ONU va arriver, quand la communauté internationale va arriver, il sera trop tard. Donc méfiez-vous. Restons dans le débat des idées. On peut se tuer à travers des idées. On peut se déchirer parce que chacun a sa logique, chacun a sa position. Mais telle que la façon dont vous prenez le combat là, ça ne va pas donner parce que c'est individuel. C'est pareil à tous ceux dont vous attaquez là. Vous oubliez que c'est des individus. Il y a des gens que vous lâchez matin, midi, soir. Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas la chance de parler comme moi. Ils n'ont pas la chance d'avoir une connexion au débit, de parler, les gens écoutent. Méfiez-vous. Ne vous attaquez pas aux individus. Faites très attention. Vous de la basse, vous du MRC, vous ne savez plus trop quoi là. Faites très attention. Je suis un juriste, je suis un chef, je suis très dangereux. Au-delà de tout ça, je suis journaliste. Donc pour les légers, je m'en fous même. Vous n'êtes pas plus aguerri sur les réseaux sociaux que moi, donc je n'ai pas besoin de vous répondre là-dessus. J'aime les gens, même si on n'est pas d'accord, j'aime des gens qui ont la gna, qui ont la poigne, qui disent Mbarga, tu as dit, je ne suis pas d'accord, vous avez dit. Oui, j'aime ces gens de personnes. Parce qu'on discute, on ne sera jamais d'accord, mais on discute. On se tue pour ça. Parce que lorsque les idées s'affrontent, généralement, c'est pour un seul et unique but. Comment à toutes les parties? Il y a des gens qui ont passé notre temps à nous dire qu'on est des tribalistes, on est des haineux parce qu'on a créé les camps. Ils sont partis créer Bami Power. C'est ça la bataille de l'idéologie. Parce qu'ils ont finalement compris que ce n'est pas du tribalisme, c'est nous allons au-delà. Parce qu'aujourd'hui, la somme des Bami Power, des Ekam Power, des Sawa Power, c'est ça qui fait une grande nation. Si ce power-là est utilisé dans le cadre du développement participatif, dans le cadre de la promotion culturelle, dans le cadre du bien-être social, oui, c'est bien. Après, on peut se tirer dessus parce qu'il y a un problème de leadership entre nous, les Ekam, parce qu'on estime que le power, c'est nous, et les Bami Power avec, comment il s'appelle, le lot. Oui, ça, c'est des combats dignes. Parce qu'au final, c'est le Camerounais lambda qui est gagnant. Lorsque les Ekam vont lancer leur solidarité nationale, les Bami Power ne vont pas rester en reste, les Sao Power ne vont pas rester en reste. Parce que tous ces efforts-là contribuent au bien-être du Cameroun. C'est ça
au nom du, c'est ça, s'est réuni en groupe pour un intérêt plus général. C'est ça la nation. La nation n'a jamais interdit à quelqu'un d'être étonné, d'être bamélequé ou d'être béti ou écam. La nation a toujours favorisé l'émergence et la cohabitation pacifique de toutes ces tribus. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Maintenant, il y a certaines tribus qui peuvent décider de se mettre soit en association, comme c'est le cas des Bamileke depuis 1965, à travers les associations, à travers les tontines, à travers les foyers culturels. C'est ça leur développement, leur mode qui a toujours survécu au Cameroun. Maintenant, les écans disent que, ok, nous aussi, on va se regrouper en un groupement qui s'appelle les camps. Parce que nous allons mettre la femme au cœur du développement participatif. Nous allons promouvoir le Bikutsi pour qu'on ne chante plus n'importe quoi. Nous allons ouvrir nos banques et camps. Nous allons. À ces gens, quand on ouvre une banque et camps, c'est une fierté. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut des Camerounais. Ça veut dire que tous les Camerounais peuvent venir déposer leur argent, mais ça reste une banque et camps. Comme le. Qui ignore que le crédit, la banque du Cameroun, là, j'ai oublié le nom, qui ignore que c'est une banque des Bamileke, mais tout le monde a son compte là-bas. Ça fait la fierté des Bamileke et ça fait aussi la fierté de l'État du Cameroun. Parce que quand l'État compte, il compte que nous avons cinq banques. Il y a une banque qui appartient à Tanganyi, parce qu'il y a, on va dire, une banque qui appartient aux anglophones. Il y a trois autres banques qui appartiennent aux Bamileke. Et quoi, il y a une autre banque, c'est plus trop. C'est comme ça qu'on raisonne. Parce que toutes ces banques-là concourent au bien-être du Camerounais. Mais le fait de dire que c'est le Amity Bank ou quoi, banque-là, c'est anglophone, ça ne change strictement rien. Ce n'est pas du tribalisme. C'est ça la promotion. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a laissé, que nous soyons 250 ethnies. C'est pour que chaque ethnie apporte un plus dans ce que nous avons appelé le vivre ensemble. Alors, lorsque nous avons des individus, parce qu'ils sont arrivés en Europe et qui se cachent et qui posent des actes de nature à mettre en mal notre vivre ensemble, nous devons les combattre sans frontières ethniques. Nous devons les combattre avec la dernière énergie. C'est comme ça, c'est la voie. Tout le monde, Paul Biya, machin, tout. Vous oubliez que, même ceux qui luttent pour le débat de Paul Biya, vous oubliez que si votre combat, un temps soit peu, est louable et digne, les fruits vont profiter à tous les Camerounais, y compris moi, y compris tout le monde. Si vous êtes en cancre, si vous êtes quelqu'un qui a préféré faire 8 ans entre le Cameroun et l'Italie, vous n'aurez jamais la place dans l'après-Paul Biya. Jamais. Ce n'est pas parce que vous allez faire 1 million de directs que vous allez dire que je suis général, que je suis lieutenant. Vous pensez que vous pissez sur le drapeau d'un pays et que le prochain président, avec le prochain système, avec le prochain gouvernement, vont te prendre. Jamais. Vous ne serez pas là. Parce que vous êtes un danger pour la nation. Vous n'avez pas de limites. C'est-à-dire que vous êtes dans la politique et tous les moyens sont bons. Mais vous oubliez toujours l'après. Pourquoi on lutte, pourquoi on se lève, qu'on lutte. Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on obtient après si jamais on gagne? Et c'est là où vous serez surpris. Et si vous allez dire que rien n'a changé, en fait, tout va changer, sauf que vous ne serez pas dedans. Et vous aurez l'impression que rien n'a changé. Parce que vous luttez pour lutter. Vous luttez pour rien. Vous luttez sans but précis. Quand vous voyez des gens qui se mettent en 50, qui partent casser la porte d'un chef d'État à l'hôtel, bon, on vous demande maintenant que si le président démissionne, vous allez faire quoi? Rien. Ils ne sont même plus Camerounais. Ils ont aussi des nationalités diverses. Vous allez faire quoi? Rien. Donc, mon message est clair. Et pour revenir maintenant dans le cas d'espèce, à ce qui nous concerne aujourd'hui, je l'ai dit et je le maintiens. Là, je parle en tant que journaliste. Et je vais démonter tout ce que... comment il s'appelle... le transfuge, Jupon Remingon, a dit. Parce que lui, la différence entre lui et moi, je vais lui répondre aujourd'hui. Moi, je réponds aux gens
qui ont 11 000 personnes connectées et tu vois qu'il y a 4 000 personnes qui ont partagé ce qu'il a dit, ça veut dire quelque part, on a le devoir de lui répondre. Sinon, on laisse la rumeur, le mensonge se répandre. Et lorsqu'on va vouloir se rattraper, il sera trop tard. Donc, c'est au cas par cas. Chez moi, dans mes directs, dans ce que j'appelle le droit de réponse, c'est au cas par cas. Donc, je ne parle pas de midi à 14h. Je mets ce que tu as dit et je te réponds. Je te prouve par A plus B que tu t'es trompé ou que tu es en train de mentir. Donc, nous allons réécouter l'extrait. L'extrait de... du direct de J. Et comme ça, je vais lui répondre. Et j'espère qu'il est là. Il faut bien qu'il se connecte. Parce que l'ignorance est une maladie. Ce n'est pas parce qu'on a... Et je vais vérifier bien mon son. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on a 20 000 personnes qui sont connectées qu'on pense qu'on détient le monopole de la vérité. La vérité n'a pas besoin qu'on soit 10 000. La vérité a besoin de deux personnes. Une seule personne peut porter la vérité face à 10 000. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Voilà,
Donc, on va aller au cas par cas, comme ça, pour que vous compreniez un peu la méthodologie. Pourquoi je mets ce qu'il a dit en extrait, c'est parce que je veux pas des doigts de réponse vagues. C'est-à-dire que... Excusez-moi, je vais couper son micro. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un. Il est suivi par combien? Par 7 000, 8 000 personnes. Mais sauf que le diable se cache dans le détail. Le diable se cache dans le détail. Et le détail ici, il est clair. Excusez-moi, je vais baisser un peu le volume. Parce que là, je suis un peu submergé. Le diable se cache dans le détail. Écoutez bien ce qui se passe. Parce que là, je vais remettre la deuxième partie. Ce qui se passe, en fait, c'est bien comme il y a 250 personnes qui sont connectées et qui commencent à mettre les têtes de mort. Parce que la vérité, quand quelqu'un met la tête de mort, soit il est jaloux de toi, soit il ne t'aime pas, soit il ne veut pas écouter la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que vous avez tous vu ce qui s'est passé. Calibri, ou bien Calibri Calibro, avait bien la carte de presse. Ça, c'est dans. Tu ne peux pas être là où se trouvait Calibri Calibro si tu n'as pas le statut de journaliste. Calibri n'était pas de l'autre côté parce qu'il dit que tout le monde peut être là-bas et aborder. Non. Là-bas à Versailles, vous allez remarquer que les journalistes ont toujours des positions bien distinctes. Tous les joueurs savent toujours être au même endroit parce qu'on dit si c'est la presse, on sait que le président va passer. Donc, tous les journalistes étaient agglutinés à cet endroit. Tu ne pouvais pas être à cet endroit si tu n'as pas d'accréditation. Ça, c'est ce qu'on appelle les faits. J'ai vu un juriste, un avocat, Brice Fautu, il est connecté là. Moi, je sais ce qu'on appelle les faits. Calibri est bel et bien au milieu des journalistes. Et je vais vous montrer un extrait avant de continuer. On cherche bien l'extrait rapidement. Voilà l'extrait. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez, mon engagement, c'est que j'ai mis la pression sur Paul Biya que d'abord, traite le sujet de la zone anglophone. J'avais dit. Voilà. Sauf si on est de mauvaise foi. Sauf si on est de mauvaise. Parce que je ne voulais pas parler de ce problème. Parce que déjà, comment il s'appelle Eric Kouachou, c'est un ami, c'est un frère. Il est de la diaspora. Moi, je ne voulais pas parler de ce problème. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous avez cette mauvaise façon de lyncher les gens ou bien de vouloir les lyncher. Moi, on ne me lynche pas. Sur la toile, on ne me lynche pas. Ça ne marche même pas. Ça, mais soyez même 2000 pour me lyncher. Moi, on ne me lynche pas. Quand vous voyez cette vidéo, vous voyez très bien, parce que les gens ne regardent pas, je vais encore bien vous la montrer. Voilà la vidéo en question. Voilà la vidéo en question. Je vais couper le son. Excusez-moi, je coupe un peu le son pour qu'on puisse mieux la regarder. Voilà la vidéo en question. Vous voyez très bien, regardez là où il se situe. Excusez-moi, je vais revenir. Je vais mettre une photo. Excusez-moi, s'il vous plaît. Parce que je vous ai toujours dit que le diable se cache dans le détail. Le diable se cache dans le détail. Parce que quand quelqu'un fait un direct, il voit 3 000 personnes.
il oublie que le diable se cache dans le détail. Voilà, voilà, j'ai fait une capture d'écran. Merci. Voilà Calibri. Voilà Calibri avec le chapeau. Au milieu des journalistes, des meilleurs journalistes, des meilleures chaînes du monde entier. Dites-moi, vous qui étiez là, vous pouvez être au milieu des journalistes si vous n'avez pas le statut de journaliste. Non, on va revenir sur la carte presse. Allons cas par cas. Allons doucement. Non, ne vous inquiétez pas. La carte presse est après. Voilà Calibri Calibro au milieu des journalistes, toute la presse de France, dans le gratin de la presse, BFM TV, tous ceux qui ont l'accréditation, tous ceux qui peuvent être là. Le voilà au milieu des journalistes. Ça veut dire que pour se retrouver là, il faut avoir le titre d'un journaliste, d'un caméraman ou bien d'un preneur de son. Le diable se cache dans le détail. J'insiste encore. J'ai un retour de son qui m'empêche de continuer. Le diable se cache dans les détails. Regardez très bien cette photo. Ce que le fou ne vous a pas dit. Tu ne peux pas être ici au milieu de 50, de 30 journalistes si tu n'as pas le statut de journaliste. Moi, je suis journaliste. Je suis patron de presse. Je suis caméraman et je suis réalisateur. Parce que ce qui ne vous dit pas, c'est que la carte presse, on la donne au caméraman, on la donne au preneur de son, on la donne au pigiste, on la donne au journaliste. Donc, il faut justifier pourquoi tu peux être là. Donc, Calibri avait bel et bien la carte presse. C'est pour ça qu'il se trouve au milieu des journalistes et il est pris pour un journaliste. Et c'est même pour cela que le président Macron s'arrête et se retourne. Si Calibri avait été dans la foule, comme le jeune des gilets jaunes, la sécurité n'aurait même pas permis d'approcher parce qu'il y a les barrières de sécurité. Le président ne serait pas venu. Le président a cru un temps soit peu que c'est un journaliste rebelle, c'est un journaliste engagé politiquement. Voilà pourquoi il s'arrête. Il ne connaît pas Calibri d'Adam et d'Ève. Les faits sont là. Moi, je vous ai dit. Maintenant, on va les qualifier quand on va parler de la loi antiterroriste. On va maintenant qualifier ces faits. Pourquoi Éric Kouadju se retrouve en garde à vue? Vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas en train d'accuser qu'il a bien fait ou pas. On est tous d'accord que pour se retrouver à ce niveau, il faut avoir l'accréditation pour se retrouver là. Soit tu as la caméra, soit tu as le micro, soit tu es journaliste. Ça, c'est un fait. Il faut être de mauvaise foi pour dire que Calibri, il a raté un coup comme il a dit la dernière fois. Il a raté un coup, c'est pour ça qu'il a refait cette année. Ça, c'est archi faux. Ne prenez pas des Camerounais pour des imbéciles. Ne prenez pas le monde pour des imbéciles. C'est pour ça que je parle. Mes directs sont bien structurés. Et j'espère que les gens qui mènent les enquêtes au Cameroun, comme ils m'accusent que c'est moi qui ai lancé la fatwa, il faut prendre ce direct. Ça va vous servir. Donc, voilà le premier fait. Calibri se retrouve là parce qu'il a le statut de journaliste. La deuxième chose, regardez très bien le timing. Qui filme cette vidéo? Le diable se cache dans le détail. Qui filme la vidéo? Ça dit aucun journaliste ne pouvait filmer Calibri parce que quand tu es proche, tu ne peux pas prendre la caméra. Quand quelqu'un est proche, il y a ce qu'on appelle l'angle de prise de vue. On ne peut pas bien te voir parce que vous êtes au même endroit et vos caméras regardent devant. C'est un technicien chevronné qui vous parle. Donc, quand on a une caméra, je vais vous montrer l'exemple d'une caméra. De quoi je dois avoir une caméra? Des caméras que les gens utilisent. Donc, voilà les caméras que les journalistes utilisent. Moi, j'en ai une en 4K. Celui qui a dit que j'ai mon studio dans la chambre là, excusez-moi. Donc, vous tous, vous avez vos caméras comme ça. Ça veut dire que si quelqu'un est à côté de moi, nécessairement, je serai comme ça pour le filmer, ou comme ça, ce qui réduit l'angle de prise de vue, parce qu'on est tous au même endroit, et on donne une meilleure place pour bien filmer le chef de l'État et sa suite. C'est ça, vous voyez que toutes les caméras regardent devant. Donc, pour être à ce niveau, c'est que soit tu as une caméra,
soit tu es en badge que tu as le micro, soit tu es celui qui fait le reportage en direct. C'est ça qu'on appelle l'effet. Rien que l'effet. On n'a pas encore commencé à les qualifier. Donc, l'angle de prise de vue n'est pas assez large pour pouvoir calibrer. Pour que cela revêtent donc le caractère d'un scoop, il faut de la complicité. La complicité, c'est quoi? C'est de se mettre en hauteur. Regardez bien regardez bien encore la vidéo. Celui qui filme est en hauteur pour mieux comprendre, parce qu'il savait très bien le timing, il savait très bien ce qui allait se passer, et la personne se met en hauteur. Regardez bien, la personne est en hauteur. C'est pour ça que vous voyez les têtes des gens. Ça, il n'est pas au même niveau. La personne s'est détachée pour se mettre en hauteur. Ça veut dire que, en journalisme, on appelle ça le scoop. Ça veut dire que le scoop a été préparé. Ça veut dire, au moment que tu parles, moi je filme. Il n'y a pas de hasard dans ce qui s'est passé. Donc, celui qui filme la scène, qui la rend disponible au monde entier, c'est la personne qui filme la scène en hauteur. Ça veut dire que la personne était de connivence avec ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'il s'est détaché de là, il y avait tous les journalistes pour se mettre en hauteur. Et ce n'est pas tout. Regardez très bien cette photo. Il est derrière un écran. C'est-à-dire, tu sens bien qu'il y avait une vitre. Donc, il a choisi cette place-là pour avoir un meilleur angle. Regardez bien la photo. Donc, il est derrière une vitre. Donc, il a décidé expressément de se détacher des journalistes pour mieux avoir la prise globale de ce qui allait se passer. On continue. Donc, sauf si on est de mauvaise foi, vous voyez très bien quelque chose qui est bien orchestré. C'est-à-dire que je viens, j'appelle mon frère. Pour mieux comprendre, j'appelle mon frère Junior Zogo. Je lui dis, écoute, c'est toi qui vas interpeller le présent. Moi, j'ai ma caméra, je vais me mettre en hauteur comme ça. Je vais tout filmer pour qu'on ne rate rien. Parce que si je suis au même niveau que toi, on ne pourra pas filmer et ça n'aura pas le même impact. Ça, c'est le deuxième point. Qui filme la vidéo? C'est M. Eric Kouachou. C'est M. Eric Kouachou qui filme la vidéo, qui filme la scène, autant pour moi. C'est lui qui filme la scène et c'est sur sa page. Si vous allez sur sa page, la vidéo est encore sur sa page. Qui publie la vidéo en exclusivité? C'est M. Eric Kouachou. Non, tu ne comprends toujours pas là où il y a le crime. C'est passé justement pour déterminer la nature du crime. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, Claude Camdem, calme-toi. Prends ton mal en patience. Fais comme moi. Bois un verre de café. C'est Eric Kouachou qui filme la scène. Donc, nécessairement, et il ne rate rien de ce qui se passe. Qui publie la scène? C'est Eric Kouachou qui publie la scène. Donc, de ce qui s'est passé en exclusivité. Et prend bien la peine, sur la vidéo, vous allez bien voir, c'est écrit Canal 2. Donc, pour que les gens ne trafiquent pas l'image, vous voyez bien en filigrane. En filigrane, là, c'est bien écrit Canal 2 International. En filigrane, ça veut dire que tu ne peux pas effacer ça. C'est ça qu'on appelle la filigrane. Ça veut dire que je me réclame l'auteur exclusif de cette vidéo. Donc, c'est lui qui filme la scène dans un endroit où tout le monde va voir et calibrer le président Macron et entendre tout ce qui va se passer. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, qui fait le mini-reportage de ce qui s'est passé? C'est Eric Kouachou. Et je vous montre encore. Parce que quand vous attaquez aux gens, n'oubliez pas. J'ai vu ça sur Internet. Excusez-moi, je vais prendre. Voilà. Qui fait le reportage après et qui met tous ces héros en scène? C'est Eric Kouachou. C'est lui qui signe ce papier. Calibre Cabo, leader de la basse. C'est-à-dire le lendemain, je crois que c'est le lendemain ou deux jours après, que le spectacle ait eu lieu. C'est Eric Kouachou maintenant qui met en scène et qui dit ce qui s'est passé et tout le reste. À partir de là, je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'à partir de là, comme vous tentez de me lyncher, là, je vous ai dit que le lynchage ne marche pas avec moi, je suis un Camerounais 100%.
Est-ce qu'à partir de là, le gouvernement a besoin de dire que parce que Mbarga dit que c'est lui? Le bon sens est la chose la mieux partagée. Si moi, j'ai pu voir ça, combien de fois les gens, les fins limiers, Interpol, la DSP, la DG, vous pensez qu'ils sont bêtes pour ne pas faire la même analyse que moi? Parce que c'est ça l'analyse de celui-ci, qui dit que j'ai lancé la fatwa. Écoutez bien ce qu'il dit. À mon fier de navire. Je remets son extrait. Et toutes les photos qui ont été publiées par Eric Goff montrent bel et bien qu'il porte sur sa poitrine l'accréditation. Et il a sa carte de presse. Il a eu à se justifier plusieurs fois. Parce que, dangereusement tribaliste, qui est caché dans un studio, jaloux d'Eric Goff, qui d'ailleurs a été avec lui à Canal 2, sauf que lui, Eric Goff, a réussi à devenir journaliste, a travaillé dans des médias en France, mais lui, dans son petit studio, passe son temps à monter, à tisser les ficelles, à accuser une certaine tribu. Bon, voilà. Je rigole parce que, excuse-moi de te dire ça, monsieur, vous êtes, je ne veux pas utiliser le gros mot, il dit un journaliste, un écran, donc tu me reconnais quand même le titre de journaliste ou bien j'ai mal compris. Voilà, je remets parce que peut-être je n'ai pas suivi ce que tu as dit. Ce régime pour lequel on soupçonnait qu'il travaille, parce que le média Canal 2 étant totalement à la remorque, voire sous la ferrure du régime, voilà malheureusement Eric Poitou qui se retrouve demandant l'empennage. Ça va pas être d'autant plus que les accusations qui sont portées contre Eric Fosso sont totalement mensongères. Et les Poitou voulaient dire. Parce que Golf n'a jamais, mais alors j'ai dit jamais, été en contact avec Calibri, Calibro, parce qu'on dit aujourd'hui que c'est lui qui a pris sa carte de presse pour donner à Calibri, Calibro et pour aller interviewer. C'est tellement infantilisant. C'est même ridicule. Mais vous comprenez qu'il n'a pas compris que justement, quand il dit que le diable se cache dans le détail, il dit que c'est infantilisant, c'est ridicule. Pour ceux qui suivent ma méthodologie depuis, vous comprenez qu'on ne peut pas être 100 cas de peur. On peut même payer l'entrée pour entrer au salon de l'agriculture. Mais on ne se retrouve pas au milieu des journalistes de BFM TV, de TF1, parce qu'on a payé son entrée. Donc le ridicule, c'est toi. Le ridicule, c'est toi. On ne peut pas être là si on n'a pas la carte presse. Toi-même, et même quand on a la carte presse, il y a des seuils. Tu ne peux pas être un pigiste, tu te retrouves à côté de TF1, jamais de la vie. On continue. Parce que je vais vous prendre un tout petit exemple. Oui. Vous et moi, nous partons au cinéma. Si je prends ma carte, et je vous donne mon billet d'accès. Est-ce que je peux encore accéder? Non. Mais c'est ça, encore une fois de plus, le diable se cache dans le détail. Et c'est là où il essaie de vous tourner. Parce qu'il y a un cinquième point qui va faire la différence. Et je parle au conditionnel parce que le problème maintenant est au niveau de la justice. Pour bien faire comprendre ce qui se passe, Eric Goff a deux. Eric Goff a deux types d'accréditation. Il faut bien m'écouter. Eric Goff a deux types d'accréditation. C'est-à-dire, Eric Goff pouvait se retrouver là-bas
comme caméraman et journaliste de C8, là où il travaille. Ça dit que Eric, il pouvait se retrouver là-bas comme caméraman et C8, là où il travaille. Il pouvait également se retrouver là-bas comme envoyé spécial et représentant de Canal 2. Et tout le monde sait qu'Eric Golfadjou fonctionnait avec ses deux accréditations. C'est-à-dire que si, en tant que collègue, j'arrive quelque part et que je n'ai pas d'accréditation, Eric Golf peut me donner son accréditation, il peut me donner son accréditation comme caméraman, je passe et lui utilise l'accréditation de CNews. Donc, rien n'est impossible dans ce que tu es en train de dire. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé pour ne pas l'enfoncer, bien dérouter les enquêtes, mais je dis très bien que ce n'est pas Eric Golf avec son badge, ça ne veut rien dire. Où était donc le badge? Parce qu'il a deux types d'accréditation, deux types de badges. Le badge Canal 2 qui lui permet d'aller au Quai d'Orsay, qui lui permet de filmer tous les événements pour le compte de Canal 2. Il a également un autre badge avec pour le compte de C8. Donc c'est quelqu'un qui a cette facilité-là. Il peut le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire moi-même ou bien toi-même. Si tu arrives quelque part, il dit ok, toi tu vas entrer comme Canal 2. Moi je vais entrer comme C8. Donc, il n'y a rien de ridicule, de bancal là, monsieur, à la J-point. Ah, ça? Non. Je ne peux non plus accéder. Mais justement, donc, il peut accéder avec l'accréditation de Canal. Quand tu as deux accréditations, tu peux donner un à quelqu'un. Ou tu peux demander. Parce que ce qu'il oublie de vous dire, c'est que dans une manifestation comme ça, on autorise deux ou trois personnes par organe de presse. Ça veut dire que moi, quand je vais là-bas, je peux faire l'accréditation, je peux faire deux demandes d'accréditation. Ça veut dire que moi, Mbarga, patron de ProPlusStar, je demande une accréditation pour moi, je demande une accréditation pour mon caméraman. Je peux me demander trois, je demande une autre accréditation pour le preneur de son. Trois. Je peux demander trois accréditations. Donc, je peux entrer parce que c'est moi le caméraman pour un même organe de presse. Toi, tu peux entrer parce que c'est toi qui vas tenir le son. Et toi, tu vas entrer parce que c'est toi le journaliste. Nous tous, on le sait, il ne vous dit pas. Moi, je vous dis, c'est ça qu'on dit. Le diable se cache dans le détail. Il ne fallait pas me provoquer. À partir de là, vous comprenez donc qu'il ment. Mais tout le monde a donc compris que tu es un menteur, tu es un affabulateur. Quand tu dis qu'on ne donne qu'une seule accréditation, parce que justement dans tes directs, personne ne peut prendre la parole. Tu dis des choses que personne ne peut vérifier. Moi, je te contredis aujourd'hui, on peut prendre 5 accréditations. Moi, j'en prends souvent 3. Pour moi, pour le caméraman, pour le journaliste, 3 pour un même événement. Donc, tu es un menteur. Passer cela à Calibri Calibro et lui-même se retrouver au même endroit, au même moment. C'est ridicule. Quand il dit ça, maintenant le ridicule c'est qui? Maintenant que tu passes dans ma chaîne, maintenant le ridicule c'est qui? Quand tu dis ça devant 8000 personnes et j'ai vu 4000 personnes ont partagé ce genre de mensonge, ce genre de mensonge tellement grossier. Tu dis que c'est ridicule. En fait, c'est toi le ridicule. Je n'accuse pas Eric Golf pour le moment. Mais on peut bien passer. On aurait pu bien être là-bas. Pour un même organe de presse, on aurait pu avoir 4 voire 5 accréditations suivant que cela est justifié. Donc, c'est toi le ridicule. Et ça va être désormais comme ça. J'y prends le mingono. Moi, ne me provoque pas. Je t'ai dit, là maintenant, c'est la casquette d'un journaliste, et tu sais bien qui sont les journalistes en France. Quand tu vois Mediapart, un journaliste peut faire tomber un ministre, un chef d'État. Donc, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, ainsi que toute ta clique. Allons-y, cas par cas. Donc, le ridicule, c'est toi. Les accréditations s'en vont avec ce qu'on appelle le visage de quelqu'un, la carte de presse de quelqu'un, et toutes les photos qui ont été publiées par Eric Golf
Ben oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ce qui concerne Eric Golf. C'est-à-dire, il montre bien qu'il avait sa carte d'accréditation, mais que Calibri montre aussi sa carte d'accréditation. On va voir l'organe de presse qu'il accrédite pour être au milieu des journalistes et poser des questions à Macron. C'est ça que tu refuses de dire aux gens. C'est pour ça que vous contournez depuis. Je suis d'accord. Eric Golf, il a dit qu'il me portait plainte. J'attends impatiemment. Oui, il a montré qu'il avait son accréditation de C8. Qui vous montre donc l'accréditation de Canal 2 et que Calibri montre son accréditation parce qu'il est établi, sauf si on est de mauvaise foi, il y a ce qu'on appelle le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Qui montre que Calibri donc montre donc son accréditation qui lui permet, bon, laissons même l'accréditation qui vous montre le ticket qu'il a payé pour être là. Parce que ce que vous oubliez, et ce n'est pas tout, on ne révèle pas ses sources, mais moi en tant que journaliste, vous allez être surpris à la fin de cette interview. Parce que dans la sécurité, vous savez très bien que les agents de sécurité, beaucoup sont africains comme ça. Et c'est mes amis. Donc, allons cas par cas. Il a sa carte de presse. Il a eu à se justifier plusieurs fois. Parce que, un, n'étant dangereusement journaliste, qui est caché dans un studio. Seul, Eric Golf, qui d'ailleurs a été avec lui à Canal 2, sauf que lui, Eric Golf, a réussi à devenir journaliste, à travailler dans des médias. Mais je ne suis pas jaloux, J. Tu racontes n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Je vais donc dire la vérité devant. Attends, j'attends trois personnes. Je te dis la vérité. J'attends qu'on soit en 500 personnes. Je ne peux pas être jaloux d'Eric Golf parce que quand moi j'étais à Canal 2, Eric Golf ne faisait pas l'audiovisuel. Eric Golf était encore stagiaire. Quand j'étais à Canal 2, je n'étais pas emballé, j'étais le directeur de la production. Quand j'étais à Canal 2, Eric Golf ne faisait pas encore l'audiovisuel. Nous étions à Canal 2, je ne sais même pas si Eric Golf devait être parmi les enfants qui sont venus sous nos couverts parce qu'ils viennent de l'Ouest. Toi, tu me dis qu'on était à Canal 2. Moi, je ne peux pas être jaloux. Eric Golf ne peut pas parler là où je parle. Je dis que à cette époque, j'étais déjà directeur de la production. Si Chatu est connecté, il va vous dire. Si Eric Fautre est connecté, il va vous dire. Tous ceux qui sont à Canal 2 vont vous dire. Est-ce que j'ai l'habitude de mentir? J'étais le patron à Canal 2. J'avais le plus gros salaire à Canal 2. Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Tu dis qu'on était à Canal 2, lui, il a réussi. Non. Moi, j'avais le plus gros salaire à Canal 2 à l'époque. Le plus gros passé était le patron. Et quand j'étais, et pour la petite histoire, quand j'étais à Canal 2, c'est pour ça que je n'ai jamais dit du mal de Monsieur Tchatchoué. J'ai jamais dit du mal d'Emmanuel Tchatchoué. Parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours pris comme son fils. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance à 100%. J'avais les clés de la chaîne. Où tu vas sur mon mur, tu vas voir les photos. Tu veux que je te rappelle que quand on était à Canal 2, il y avait deux machines, dont la première c'était la mienne et la deuxième c'était pour le petit Ongoto U que j'ai formé. Il y avait deux machines. Donc, Eric Golf était sur quelle machine? Il était dans quel service? Aucun. Tous les hauts responsables de Canal 2 aujourd'hui, c'est moi qui les ai formés. Et mon ami Michel Kuaté. Mon ami Michel Kuaté peut venir témoigner aujourd'hui. Donc, en fait, moi, c'est le studio, il dit que je suis caché dans un studio. Non, mais ça, c'est entre parenthèses, hein, c'est samedi. Je n'ai pas besoin de me cacher dans le studio. C'est-à-dire, ça, c'est chez moi. Ce n'est pas un studio. Ça, c'est la partie où je ne gêne pas les enfants. Je ne peux pas aller faire les tirettes au salon. Et à partir, donc, pour la bonne nouvelle aussi, à partir du 1er mai, Propustar s'installe dans les bureaux à Paris. Je vais te donner l'adresse. Tu viendras, on sera bien installé pour la production. Cette fois-ci, on va faire beaucoup plus de production. On va beaucoup plus. On va monter sur satellite. Déjà, on a fait des tests pour ceux qui connaissent. Au Cameroun, j'ai un studio à travers la société 237 Pixels. Tout le matériel est stocké là-bas. On attend la CAN pour appuyer sur play. Hein, monsieur, mon frère de camp,
Jipor et Mingono. Toi qui es journaliste, regarde là où tu es assis. Parlons de studio, regarde là où tu es assis avec un bouquet de fleurs. Regarde mon direct. Toi, tu vois la différence. C'est de mon direct. Il y a l'infographie. Il y a la qualité de l'image. Il y a la qualité du son. Toi, tu fais des directs comme au pays. Même au pays, les gens ne font pas des directs comme ça. On ne fait pas ce genre de plan que tu fais. Regarde l'air qui est entre ta tête et le mur en haut. Parce que tu n'as pas de technicien, parce que tu ne connais pas. Si tu avais eu un bon technicien, il t'aurait recadré. On n'aurait pas eu l'air en haut. On n'aurait pas eu ce pot de fleurs à moitié coupé. On ne coupe pas les gens au niveau des genoux. Soit on te fait un portrait américain, soit on te fait un gros plan, soit on te fait un plan d'ensemble. Ça, c'est des... Donc, prends le bic, tu écris. Tu as trop bavardé, tu as trop trompé des Camerounais. Moi, tu ne peux pas me tromper. Et tu ne t'attaqueras plus jamais à moi. Laisse les choses que... Et quand je te réponds maintenant comme un journaliste, comme un jeune, comme toi, dont je te bats à plate couture, aller-retour. Regarde ton image. On sent que tu as pris la caméra, tu as posé, tu parles. Regarde là où tu es assis. Regarde les prises en bas. On sent que la peinture n'a pas bien pris. Regarde ma chaise. Tout cuir. Rien que la chaise, je ne vais pas tourner la caméra. C'est tout le cuir. Donc on ne s'attaque pas à ce qu'on ne peut pas, à celui qu'on ne vaut pas sur le plan technique. Et moi, je te mets à l'écran parce que je n'ai pas peur de toi, je te contredis. Toi, tu ne peux pas faire un direct, tu ouvres l'antenne parce que quelqu'un viendra démolir toutes les insanités que tu as l'habitude de dire. Donc, quand tu te dis qu'un écran, il a dit quoi, génocidaire, tribaliste, il n'y a que ce genre de mots qui peut sortir de ta bouche. Il n'y a que ça. Tu es jaloux, justement, parce que j'ai réussi à rassembler les écrans aujourd'hui autour des valeurs. Un tribaliste génocidaire ne fait pas ce que je fais. J'ai réussi à rassembler les écrans autour des valeurs communes. La solidarité. On le dit depuis 18 mois aujourd'hui. Je suis surpris qu'il y a certains partis qui reprennent la solidarité. On parle de la solidarité depuis 18 mois comme la première des valeurs écrans. Vous pouvez parcourir tous nos directs. On a juste mis en avant la solidarité que les gens se réclament aujourd'hui. Toi, tu n'as jamais prêché la solidarité, ni chez les gens chez qui tu te retrouves aujourd'hui, ni chez les écans. Tu fais partie de ce que j'appelle toujours les chauves-souris. C'est les gens qui sont toujours là. On ne sait jamais là où il est. On ne sait jamais si la gauche, si la droite. Et c'est pareil pour ton Eric Kouachou. Et tu le dis toi-même dans ton direct. Les chauves-souris ont la malchance que quand ça pète, tout le monde tire sur toi. Parfois, tu peux m'être innocent, mais c'est parce que tu joues un double jeu et les gens s'identifient par toi. Donc, tout le monde tire sur toi. Quand les balles viennent, tu es la chauve-souris, tu encaisses. Et toi, tu veux mettre ça sur moi. Donc, pour Canal 2, là, je t'ai montré que moi, j'étais en boss à Canal 2. Et pour la petite histoire, je dis comme ça comment il s'appelle, à mon ami Emmanuel Chatué, qui a dû valoriser, parce que quand je suis entré à Canal 2, je revenais de Belgique pour une formation. En 2000, j'ai eu la bourse de l'Union Européenne, ce que toi, tu n'as jamais eu. En 2000, tu vendais les savons chez Abena Bena. En 2000, au Cameroun, je crois que c'est en 2000, tu vendais les savons chez Abena Bena. Moi, j'avais déjà fini l'université avec mes promotionnaires qui sont des juges, qui sont des avocats, qui sont des maîtres, jusqu'à ce qu'ils soient des procureurs. J'avais déjà fini le droit. J'avais déjà engagé les études en cinéma audiovisuel. Toi, tu vendais les savons chez Abena Bena en 2000. En 2000, j'étais déjà patron de Canal 2. C'est nous qui avons mis la CRTV à genoux à l'époque. Avec les édoutes, les tagnes qu'on dorme, les sélaviers qu'on sort. Donc, à cette époque, tu es un vendeur de savon chez Abena Bena. C'est ça ton parcours. Je vois des gens te suivre aujourd'hui. Tu fais la messe, tu dis n'importe quoi. Tu es devenu journaliste en France. Et même, tu n'es pas journaliste, tu es animateur. Tu es devenu un journaliste de fait. En 2000, donc j'avais déjà fini les études de droit, j'ai posé. Tu peux demander à mon ami
mon voisin de ministre Sainte-Thérèse, à l'époque, il est procureur aujourd'hui, je ne veux pas citer son nom. Tu peux demander maintenant le président de la cour d'appel. Tu peux demander tous les procureurs. On est des camarades à l'époque, on m'appelait. Voilà quelqu'un qui ne m'écoute pas et dit que je n'aurai jamais la présence de J. Rémi Nkono. Mais toi, tu ne suis pas le direct. Je suis en train de descendre ton Dieu. Toi, tu dis que je n'aurai jamais sa présence. Donc, à cette époque, toi, tu vends encore les savons. Et Abena Bena est encore vivant. Dernièrement, j'étais au pays, j'ai fait une photo avec Abena Bena. Je lui ai fait une interview et c'est la boîte que je te réserve. Je vais diffuser l'interview où tu vendais les savons de Abena Bena et tu partais à Radio Siantou faire la promotion 12h, 12h30. Tu faisais la promotion d'Abena Bena. Donc, à l'époque où moi j'ai fini le droit, où j'ai fini la bourse de l'Union Européenne en cinéma, en audiovisuel, où je travaille à Canal 2, où je gagne plus de 300 000 francs, tu gagnes 115 000 francs parce que tu es démarcheur, tu es agent commercial chez Abena Bena. C'est ça l'histoire, des amis. Nous sommes à l'époque de l'imposture où Facebook, dès que tu ouvres, tu vois tout le monde connecté, tu distilles le mensonge. Voilà votre Dieu, voilà celui qui insulte le président Paul Biya, voilà celui qui insulte le Cameroun, qui vous dit son parcours universitaire, qui vous dit son parcours académique, qui vous dit son parcours académique, qui vous dit s'il a même le probatoire. Moi, c'est qui? Tu viens de prendre le direct. Tu viens de prendre le direct, tu viens me demander moi c'est qui. Moi, je vous dis ce que j'ai fait à l'époque où ils vendaient les savons. Ça veut dire que dans la Nouvelle République, dans l'après-Biala, on va retourner au Cameroun et chacun va apporter son CV. Tu veux travailler au ministère de l'AT, tu amènes ton CV. Tu veux travailler aux finances, tu amènes ton CV. Tu veux travailler à la CRTV, tu amènes ton CV. Le CV, ce n'est pas des vues sur Facebook. Et moi, je ne le fais jamais. Quand je commande mes directs, c'est quand les gens m'attendent le moins. C'est pour qu'il n'y ait pas beaucoup de têtes de mort que je supprends sur mes directs. Le CV au Cameroun, dans la pré-Biya, ce n'est pas les savons à Bena Bena. Jamais. Ce n'est pas les savons à Ben Chéri. Ça va être comme les autres disent, la méritocratie. J'emprunte le terme de la basse. Oui, ça va être la méritocratie. Ceux qui pensent que parce que tu es arrivé, tu es passé par le désert, tu es passé par Lampedusa, ça fait de toi un héros national. Non, tu te trompes. Tous nos enfants qu'on met à l'école là, c'est eux qui vont vous commander demain. Parce qu'une nation qui n'a pas les intellectuels à leur tête est vouée à l'échec sur tous les plans. Donc, voilà un monsieur qui me traite d'ethnotribaliste, de nos fascistes, un écran qui distille la haine interethnique. Mais non, tu ne m'as pas compris, tu ne peux même pas me comprendre. Je m'arrête sur toi aujourd'hui. Parce qu'après ça, avec ton CV, pourquoi tu ne travailles pas à la CRTV? Pourquoi j'ai besoin de travailler à la CRTV alors qu'elle gagne plus de 2 millions le mois? Toi-même, Yochou César, pourquoi j'ai besoin de travailler pour quelqu'un alors que je suis capable de gagner plus de 2 millions par mois? Moi, j'étais à l'école pas pour travailler pour quelqu'un. C'est fini, je ne travaille pas pour quelqu'un, je ne travaille plus pour quelqu'un. Quelqu'un m'appelle maintenant, c'est pour des postes de responsabilité. Même là où je vais travailler à la chaîne de télévision, où je suis appelé à travailler demain, après-demain, ça sera des postes de responsabilité, directeur, sous-directeur, responsable, ceci. Moi, je ne porte plus la caméra dans une chaîne de télé. Je ne fais plus de reportage dans une chaîne de télé. C'est fini. C'est terminé. Parce que j'ai fait mon parcours, j'ai prouvé. Donc, voilà votre Dieu, un vendeur de savon qui parle de l'économie d'un pays, qui critique un président comme le président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il en sait de l'économie? Qu'est-ce qu'il en sait du PIB? Qu'est-ce qu'il en sait des importations, des exportations? Qu'est-ce qu'il en sait? Demandez-lui comment on dédouane une voiture, une marchandise, quelqu'un qui vous parle de l'économie d'un pays et tout, et tout, et tout, et tout. Il a fait quelles études pour parler de l'économie d'un pays? Et vous êtes 4000 à partager. Vous êtes 4000. Voilà votre Dieu. 11 000, 4000 partages.
voir quelqu'un qui parle de politique internationale alors qu'il est arrivé ici sous le couvert de l'asile politique. Qu'est-ce qu'il a lancé des relations? Qu'est-ce qu'il a lancé la diplomatie? Est-ce qu'il a fait des relations internationales? Non. Est-ce qu'il a été à l'IRIC? Non. Est-ce qu'il était à l'ESIC? Non. Est-ce qu'il a été dans une école de commerce au Cameroun? Non. Donc, franchement, arrêtons de célébrer les charlatans. Arrêtons de célébrer les charlatans. Vous de la basse, excusez-moi d'emprunter votre mot, la méritocratie commence par vous-même. Tant que les individus comme ça, sans parcours, sans rien, vont vous parler de la basse, on va vous combattre. On va vous combattre. Parce que vous ne représentez que dalle. Vous connaissez le nombre d'intellectuels qui sont au Cameroun, et c'est J. Rémi Ngonon qui devient un porte-fagnon. Nous sommes quand même en 2020, réveillons-nous. Quand les Eric Mathias peuvent parler, quand les Sinjou peuvent parler, quand le docteur Sanjou peuvent parler, vous prenez la parole, vous donnez Eric, vous donnez à J. Vous donnez à Kamoua la Panthère, vous donnez à Max, vous donnez à Calibri, et vous êtes fiers de vous. Et quand quelqu'un dit ça, vous dit qu'il est tribaliste, vous dit qu'il veut semer la haine, vous dit qu'il veut semer le terrorisme, vous dit qu'il veut semer le Rwanda, c'est quelle jeunesse que vous représentez? C'est quels gens comme ça là? Moi, ne me la fais pas à l'envers. On continue. En France? Mais oui! Dans son petit studio, passe son temps à monter à tirer les ficelles, à accuser une certaine tribu pour dire que, un, ce petit groupe ethno-fasciste représente les écampés. C'est donc ce monsieur qui a lancé la patoie contre Eric Golf avec des accusations sans fondement. Et là, est-ce que j'ai encore besoin d'en expliquer? Bon, parce que moi, je suis terre à terre. En fait, vous comprenez qu'il est connecté dans mes directs. Si c'est que je suis dans un petit studio, c'est des gens qui vont du regarder mes directs après. C'est des gens qui vont du regarder mes directs. C'est-à-dire qu'il a la rage. Il a le, comment on dit au Cameroun, il a le macabo. C'est-à-dire quand il voit comment mon direct est propre, bien habillé, il a le macabo. C'est pour ça qu'il ne fait qu'inciter petit studio. Petit studio. Depuis là, il a parlé petit studio 7 fois. Le procédé de 600 n'est pas un fait de hasard. Non, mais franchement, c'est samedi, hein, donc on est relax. Au début, là, j'étais un peu fâché parce qu'il fallait que je mette en garde ceux qui menacent de me tuer, mais on est plus relax maintenant. Donc, vraiment, J. Rémi Ngonon, laisse, je ne suis pas à ton niveau. Toi et moi, on ne hurle pas dans la même chapelle. Moi, je regarde tes directs, on m'envoie le lien, et quand tu parles de moi, c'est-à-dire pour moi, tu es hors compétition, maintenant et après, donc je ne regarde pas tes directs. Mais toi, tu sais que j'ai un petit studio. C'est le petit studio-là qui te fait mal, bien mal. Je n'ai pas besoin, je t'ai dit, j'ai une tonne de matériel. Si je veux faire un grand sujet, je le fais, je démonte tout, je fais. Mais je suis assis ici. Quand je parle sur ma page, c'est parce que je veux causer. J'ai une page professionnelle, Narcisse Mbana. J'ai ma page de la boîte Propusta. Si je veux, je vais aller là-bas. Quand je vais là-bas, c'est dans le cadre de mes activités professionnelles. Mais là, c'est sur ma page. Mais tu sais que j'ai un petit studio. Comment tu sais que j'ai un petit studio si tu ne viens pas à Laurier? Petit vendeur de savon. Non, quelqu'un me demande, oui, il vendait les savons à Bena Bena. À l'époque, j'avais déjà fini l'université. Donc, à l'époque de FM Guafor, à l'époque de Bokole B, à l'époque, à l'université, tout le monde, la majorité, on m'appelait James Cameron, Brandon Walsh, tout le monde le sait. Lui, il parcourait les rues de Yaoundé. Il vendait les savons. C'est bien. C'était même un beau métier. À l'époque, il gagnait, je crois, entre 35 et 75 000 francs. C'était bien à l'époque. Mais sauf qu'à l'époque, moi, j'étais déjà un responsable. Et il n'y avait pas encore... Quelqu'un me demandait, pourquoi donc, est-ce que tu as travaillé chez Chatué, qui travaille à Vision 4? Mais justement, à l'époque, il n'y avait pas de tribalisme. Mes meilleurs amis, c'était Michel Kuaté. C'était
Il n'aime pas quand que je cite son nom. Il est là. On était tous des Bamileke petits. On se tripait chaque jour. Parce qu'elle dit, regarde le Bamileke. Elle me dit, regarde le petit là. Parce que c'était fun. Ce n'était pas intentionnel. C'était comme ça. On a traité les Bamileke, les Bamileke, les petits, les petits. C'était comme ça. Mais quand on se retrouvait à Canal 2, est-ce qu'on savait très bien que c'est pour les Bamileke? Pour la petite histoire, lorsqu'on ferme Canal 2 et que Chatué nous demande d'aller négocier pour qu'on donne la licence avec Achille Asako et en piste et tout le reste, il nous dit, dites ça à Mbarga, ses frères, qu'ils aillent à Yaoundé. C'était ça le tribalisme à l'époque. On comprenait ce que ça veut dire, mais on n'était pas arrivé à ce seuil-là où quelqu'un te dit, tu es petit, tu prends le poignard, tu le poignardes, quelqu'un te dit tu es Bamileke. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Maintenant, ça se gâte avec votre gourou de la secte, le professeur Maurice Kamto. C'est là où ça s'est gâté. Et même encore, ça s'est empiré. Ça pouvait encore s'arrêter avec Kamto. Ça s'est empiré avec la basse. Parce que c'est la basse qui amène les extrêmes. En arrachant des perruques, en menaçant, en se mettant en groupe. C'est-à-dire, comme j'ai un problème avec mon frère et Kam, ils vont se mettre à 1000 pour me lyncher. On a encaissé, on a subi. Maintenant, les autres réalisent. Toi, tu veux faire croire que c'est nous, les tribalistes. Mais tu te fous de la gueule du monde. Tu te fous de la gueule du monde. Quelqu'un m'a dit, il faut avoir un diplôme. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour parler de l'économie? Je suis désolé, il y a des personnes cultivé. Oui, mais il y a des personnes cultivées, mais la culture ne suffit pas en économie. Je suis désolé. La culture, ça ne suffit pas. Il faut avoir un diplôme. C'est ça qu'on appelle la méritocratie. Ce n'est pas moi, c'est vous. On ne parle pas de culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais tu ne peux pas occuper les postes de responsabilité alors que tu as tout oublié, alors qu'il ne te reste que la culture. Je suis désolé, ça ne va pas donner dans la prochaine république. Donc, voilà quelqu'un qui... Maurice Nassi. Voilà. Du Cameroun a décidé de mettre Grégoire aux arrêts. Sous prétexte que c'est lui qui a fait que Galibri Kalibro aille interviewer Macron. Mais c'est quand même grave, c'est lui. J'ai dit encore, c'est ridicule. Maintenant, il dit que c'est ridicule. Une fois de plus, le ridicule, c'est lui. C'est pour ça que j'ai dit, vous ne pouvez pas confier le destin à un imposteur. Qu'est-ce qu'il en sait du droit? Là où Eric Golf se trouve aujourd'hui, il a le droit d'être là-bas. La police, agent, ils ont le droit de l'interpeller. C'est ça qu'on appelle une instruction. Et je vais te lire les dispositions du code pénal. En fait, le ridicule, c'est toi. Tu dis que c'est ridicule. Qu'est-ce que tu en sais du droit? Est-ce que tu sais que dans le droit, c'est le gros mot là, mais c'est subdivisé. Il y a le droit pénal, il y a le droit administratif, il y a le droit civil, il y a le droit de succession. Il y a tellement de branches. Qu'est-ce que tu en sais au point de qualifier l'action de la police de ridicule? Je vais donc te montrer qu'en fait, c'est toi le ridicule. Écoute bien cet article. Alors, ça j'ai ici, les dispositions. Vous voyez très bien, c'est les dispositions de la loi, la fameuse loi de 2014 portant répression des actes de terrorisme. Écoutez bien ce qu'on dit de la garde à vue. Parce qu'on vous dit que l'école est bien, tu crois qu'il suffit de vendre du savon pour parler de droit et qualifier un État, la prison d'un État de ridicule. Voilà le droit, prends le bic, monsieur J. Point. Alors, apologie des actes, on reviendra. Protection des biens, des témoins, voilà. Voilà, de la garde à vue. Article 11 de la garde à vue. Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de 15 jours renouvelable sur autorisation du commissaire de gouvernement compétent. 15 jours. La garde à vue. Et maintenant, c'est bien écrit noir et blanc. Je remonte sur les dispositions de l'autorité ce qui confère le pouvoir à ceux qui ont interpellé
Le monsieur en question, voilà. Voilà. Financement des actes terroristes, blanchiment des produits des actes terroristes, recrutement, ça dit vraiment, il y a beaucoup de prisonniers ambulants. Voilà, je veux mettre interruption de l'infraction, apologie des actes de terrorisme. Voilà, ok, on descend, on descend, on descend. De toutes les façons, je vous mettrai ça, comme c'est en PDF, vous voyez que ce n'est pas long. Je vous mettrai ça comme tout le plus, il faut que tout le monde ait cette loi pour qu'on ne fasse plus n'importe quoi sur Facebook. Voilà. Donc, je vais aller sur une autre page. Excusez-moi. Voilà la page. Ah, je vois qu'il y a plein de messages. Voilà, quelqu'un me dit, demande chez les J. Il travaillait à Siantou. Il disait être chef de chaîne. Appelle-moi, je te raconterai. Ça, c'est un témoignage. Alors, il y a un autre témoignage. Il dit, le goût de direct, bravo, président. Le but est qu'on signale ta page. Donc fais gaffe, oui. Ah oui, je vois, ils ont fait les trucs qui signalent ma page. Voilà ce que j'ai dit à propos de la police, de ce que la police a fait. Écoutez bien ce que dit la loi. La loi dit ceci. Certaines infractions de presse, écoutez bien ce que dit la loi. Certaines infractions de presse entrent dans le cadre des dispositions légales applicable à la cybercriminalité, au cyberterrorisme. Certaines infractions cybercriminelles obéissent au régime général des enquêtes en situation de flagrance ou non. Celles-ci sont en effet constatées par les officiers de police judiciaire, policiers ou gendarmes. C'est là où je voulais en revenir. J'avais déjà publié ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que tu trouvais ridicule, c'est que tu as oublié que justement les policiers ou les gendarmes sont dans l'exercice de leurs droits. Ils ont le devoir parce que, on va arriver dans ce, pour qualifier les faits, c'est-à-dire que pour Kouachou, ils pensent que le fait d'avoir filmé, exposé et d'avoir donné la parole aux terroristes, ça ne veut rien dire. Mais on va venir dans ce qu'on appelle l'apologie, parce que lorsque le juge va requalifier les faits, il va tomber seulement sur la loi de 2014, sur l'apologie du terrorisme. Et bien évidemment, allant dans ce sens, la police camerounaise, c'est parce que la police et la gendarmerie, la police camerounaise a tout à fait le droit d'interpeller. On est là dans le cadre d'une interpellation qui a eu lieu avant-hier. Dans le cadre de l'interpeller, de le garder 15 jours renouvelables jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils ont, ce pourquoi on l'indexe. Alors dire aujourd'hui qu'on l'a indexé pour le délit de plainte, non, vous vous trompez. Ce n'est pas seulement ça. Je parle encore de l'apologie du terrorisme, de collusion. C'est-à-dire, tous ceux de la base aujourd'hui, 80%, sont sous le coup de la loi de 2014. C'est-à-dire l'apologie le cyberterrorisme. Vous allez tous passer à la casserole. C'est un fait. Que vous montez, que vous descendez, même si Camp Tokyo au pouvoir, il va vous condamner parce que vous avez posé des actes qui vous rendent condamnables. Donc, dans le cas des enquêtes, pour déterminer celui ou ceux qui ont cassé les ambassades, qui ont arraché les perruques des gens, qui ont permis à ce qu'un criminel, un cyberterroriste, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que Calibri Calibro, c'est un criminel, c'est un terroriste. Il n'est plus à démontrer. Vous n'avez qu'à parcourir toutes ces vidéos pour comprendre qu'on a affaire à un terroriste. Alors, lorsqu'on te voit fricoter avec un terroriste, c'est toi qui donnes la parole au terroriste. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, que Calibri, avec tous ceux qui étaient dans cette salle, ont demandé officiellement à acheter les armes pour envoyer au Nord-Ouest. Ils ont chanté Field Marshal. Tout le monde l'a vu, tout le monde a ce direct-là. À rien qu'à partir de cela, Calibri est déjà sous le coup de la loi de 2014. Et dans le cadre de leurs enquêtes,
la police, la gendarmerie ont tout à fait d'interpeller tous ceux qui connaissent de près ou de loin, Calibri Calibro, tous ceux qui sont susceptibles d'avoir favorisé l'outrage à la nation. Parce que dire aujourd'hui qu'il y a un génocide au Cameroun alors qu'on ne peut pas le prouver, c'est un outrage. Dire que le président Paul Biya est un criminel, c'est un dictateur et tout, c'est un outrage. Et lorsque toi, journaliste de ton État, tu donnes la parole à ce genre de personnalité, ne sois pas surpris, n'en faites pas un problème d'État parce que le gouvernement t'interpelle. Et le gouvernement, je le rappelle encore, nous sommes samedi aujourd'hui, le gouvernement peut le garder 15 jours. Donc, le gouvernement peut le garder 30 jours renouvelables pour les besoins d'enquête. Et ce qui va se passer, comme vous êtes des Sabitou, quelqu'un vend les savons à Bena, il vient parler de droit, ce que vous êtes même en train de nuire, vous êtes en train d'aggraver le cas d'Éric Kouachou. Éric Kouachou ne vous a pas demandé de vous mettre en groupe pour le soutenir, pour demander sa libération. Le seul fait de demander sa libération, ça veut dire que vous cautionnez le fait qu'il ait de collusion avec vous. Vous demandez qu'on libère, ça veut dire qu'il ait de collusion avec vous. Pour J, pour en même plus à démontrer, je n'ai pas besoin de revenir sur les vidéos où pour ton cas est grave. Donc, il est de collusion avec vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cet individu, M. Éric Kouachou, sera présenté devant le juge peut très bien requalifier les faits et ça revient justement dans ce qu'on appelle la requalification des faits. Parce que pour vous, tu dis que c'est inconcevable, c'est ridicule. Dans la vie normale, chez le monsieur tout le monde, c'est ridicule. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. Il y a ce qu'on appelle la requalification des faits. Tu peux gifler quelqu'un, il peut mourir un mois après. Un bon avocat, bien bon, je peux démontrer par A plus B que c'est la petite gifle là qui a fait qu'il s'endorme, qui a fait qu'il va à l'hôpital, qui a fait, et la mort s'en est suivie. C'est ça que vous oubliez, parce que quand vous trouvez ridicule, vous oubliez que quand on met ça, par exemple, ce genre de photo, ce n'est pas tout, allons-y doucement. Quand on met ce genre de photo, encore une fois, moi, je ne suis pas en train de le noyer. Hein, pour ce qu'ils apprécient. Non, je ne suis pas en train de le noyer. La photo n'est plus là. Quelqu'un m'a envoyé une de ces photos. Rien que la photo en elle-même met déjà... comment elle s'appelle l'autre devant on peut déjà le présenter devant le juge. Voilà quelqu'un qui veut me parler de vue. Est-ce qu'on t'a dit j'ai besoin de vue? La preuve en est que si j'y pointe du haut de ses 20 000 vues, il parle de mon petit studio, ça veut dire qu'il vient souvent Wassa, 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 Wassa. Il vient regarder mes directs et rien que pour ça, je suis content. On peut m'avoir zéro vue, je vais faire mon direct, je vais finir. Donc, toi qui parles de vue là, on s'en bat les mains. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle la requalification des faits. L'apologie du terrorisme, c'est quoi? L'apologie du terrorisme. Prenez bien notion de ce mot. L'apologie du terrorisme aujourd'hui. C'est lorsque quelqu'un est reconnu coupable, quelqu'un est reconnu comme terroriste. Lorsque quelqu'un est reconnu comme terroriste, vous trafiquez avec lui, vous dînez avec lui, vous mangez avec lui. S'il a un site internet, vous partez sur son site internet, vous consultez le site internet, vous partagez son idéologie. Ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, en 2005, le Cameroun qui était parmi les premiers pays à participer à la recherche d'un cadre légal pour mettre sur pied un arsenal juridique pour lutter contre la cybercriminalité, le cyberterrorisme. Je dis en 2005. Donc vous comprenez que le Cameroun est toujours en avance. Lorsque vous êtes en collusion avec ce genre d'individus, ne soyez pas surpris que l'État vous frappe, que la loi vous frappe. Quand vous donnez la parole, nous sommes en France, pour ceux qui vivent en France, prenez seulement la vidéo, je mets comme ça au défi, prenez la vidéo de Daesh, de machin, truc, de tout, mettez sur votre page Facebook et vous allez me dire le lendemain. Ne faites pas faire aux Camerounais ce que vous savez qui est répréhensible dans les pays où vous vivez.
Il y a ici en France ce qu'on appelle les fiches S. C'est-à-dire, si tu vas, tu crois que tu es seul dans ta maison, tu vas consulter les sites djihadistes et de recrutement, on te met fiche S. Il faut qu'on cherche à comprendre ce qui peut te motiver à aller t'abonner, aller lire une idéologie qui vise à détruire les autres, qui vise à tuer les autres. On te met fiche S et on commence à te surveiller. C'est pareil aujourd'hui parce qu'on a un groupe de gens qui pensent que le salut du Cameroun passe par les armes, par les tués, tout. C'est des terroristes et qui sont. C'est eux qu'on a mis la loi de 2014. Lorsque vous qui êtes connectés là, vous partez partager ce genre de direct parce que vous êtes sûr que vous êtes sous un faux profil, vous serez sous le coup de la loi antiterroriste. Et la loi antiterroriste est claire là-dessus, sur les peines. Écoutez ce que la loi dit. Est puni de la peine de mort. On dit bien de la peine de mort. Est puni de la peine de mort celui qui procède au recrutement, à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme, quel que soit leur lieu de commission. Voilà. Et ça continue. Responsabilité pénale. Ceux qui font les litchis, l'article 6 dit est puni de la peine de mort de 10 ans. Donc il n'y a pas moins de 10 ans. Lorsqu'une personne est, ça c'est une personne morale, dont les associations là, qui donnent l'argent, lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des infractions prévues aux articles 2 et 3, la peine est une amende dont le minimum est de 50 millions. Donc quand vous êtes une association, et que l'association a donné l'argent à ceux qui veulent acheter les armes, il y a l'amende pour la société morale de 50 millions. Voilà. Est puni de la peine prévue, donc de la peine de mort, celui qui étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme. Auteur ou complice d'un acte de terrorisme. J'insiste encore. Auteur ou complice d'un acte de terrorisme. Tu es puni de la peine d'emprisonnement de 15 ans et d'une amende de 25 millions, de 25 à 50 millions, ou de l'une des deux peines seulement. Est puni d'un emprisonnement de 15 ans avec une amende de 25 à 50 millions. Celui qui fait, ou de l'une de ces deux peines, celui qui fait l'apologie des actes de terrorisme. Ce n'est pas fini. Écoutez bien, vous qui encouragez Eric Kouachou, écoutez bien ce qui est dit à l'article 8, alinéa 2. Je lis, et c'est à l'écran. L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de médias, de tracts, ou de tout autre moyen destiné à atteindre le public. Aha. Article 8. Apologie des actes de terrorisme. L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de médias. Partagez ce direct comme les autres disent. Même si l'apologie est faite par voie de médias, des tracts ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public. Dans le cas d'espèce, en clair, ça veut dire que lorsque ce monsieur à l'écran, parce qu'il y en a, celui qui est à ma droite, il a demandé qu'on achète les armes, il a chanté Phil Marshall, celui qui est en blouson bleu là, il était dans la même salle. Celui qui, après Calibri, avait la barre, était dans la même salle. Pareil pour ces messieurs. Donc, ils ont appelé officiellement. Ils ont lancé des cotisations de l'armée pour cotiser pour acheter les armes. Ils ont fait allégeance à ceux qui tuent les gens au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, ils sont sous le coup de la loi antiterroriste. Donc, c'est des gens qui sont passibles de la peine de mort. Voilà. Maintenant, journaliste, activiste, blogueur sur Facebook,
Tu fais ce qu'on appelle l'apologie. Donc, c'est bien éclair là, éclair dessus. Est puni d'un emprisonnement de 15 ans et d'une amende de 25 millions à 50 millions ou alors d'une des deux peines, soit on te fait l'amende de 15 millions, soit on te fait un emprisonnement de 15 millions. Toute personne qui fait l'apologie par voie de médias, par voie de tract, et tract là, j'ai oublié la jurisprudence aujourd'hui maintenant, on passe par, il n'y a plus seulement les tracts, il y a maintenant les t-shirts qu'on porte là maintenant. Il y a plus, donc, je vais vous rappeler la jurisprudence, quelqu'un qui a été condamné, parce qu'il a écrit, il a fait des tracts par voie de t-shirt. Donc, ça a été élargi là-dessus, destiné à atteindre le public. Et à part, quand tu prends donc sur toi de filmer ce genre d'image, tu es surpris que la police t'interpelle? Tu es surpris qu'on t'interpelle parce que tu fais justement ce qu'on appelle l'apologie. Et l'apologie, ça veut dire que tu utilises ton statut, tu utilises ton média pour atteindre le public. Quelqu'un me dit, vos jours sont comptés. J'espère qu'il ne s'adresse pas à moi. Narcisse, ton français là, les a déjà fait peur. Oui, c'est pour ça qu'ils sont déjà partis. Donc, il faut qu'ils partent parce que moi, mes directs s'adressent à ceux qui vous suivent bêtement, à ceux qui aujourd'hui sont en train d'hypothéquer leur vie parce qu'ils ne connaissaient pas cette loi. La loi est là et j'ai dit, je vais vous mettre ça en prison, sur mon mur, pour pouvoir la télécharger. Comme ça, la prochaine fois que la base vous invite, allez casser l'ambassade, pardon, allez lire la loi. Avant de quitter de chez vous, allez lire la loi. Et là, maintenant, la loi prévoit qu'il y a les circonstances atténuantes. Mais quand tu bénéficies des circonstances atténuantes, on dit la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 10 ans. Et si on te condamne de façon que tu veux l'argent, ce n'est pas moins de 20 millions. Et dans tous les cas, article 13 alinéa 3, dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé. Donc, vous qui soutenez Eric Kouachou à travers Facebook, là, vraiment, laissez l'enfant là tranquille. Vous ne lui rendez pas service. Vous ne lui rendez pas service. Parce que vous êtes en train de donner toutes les preuves, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse, à partir de la semaine prochaine, le présenter devant le juge. Mais vous serez chez vous, vous serez derrière votre maison, comme J. Rémi Ngono, devant son petit studio aussi, il s'en fout. Tout leur problème est politique, c'est Paul Biya. Donc, ils vous utilisent pour que leur message soit entendu. Quand ils vous demandent de partager, c'est pour que leur message soit entendu. Ils s'en foutent de vous. Combien de personnes, vous qui êtes 4000 personnes là, combien de personnes ont eu une réponse, ne serait-ce qu'écrite, de tous ceux qui vous demandent de partager là? Combien répondent à vos messages? Mais ils vous disent partagez, partagez. Quand le direct finit, passe à autre chose. Est-ce que quelqu'un vous a répondu parce que vous avez fait un commentaire, vous avez posé une question? Non. Ils s'en foutent éperdument. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et ils ont des objectifs politiques. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons parce que notre combat s'est fait tomber le système. Donc, il faut qu'on vous utilise. Il faut qu'on utilise tel. Il faut qu'on vous utilise sous forme de masse, sous forme de bétail, parce que vous êtes le bétail dans ce qu'ils font. Et regardez comment ça se passe. Quand vous partez casser l'ambassade en groupe, on tire les têtes, bang, 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 on arrête. Maintenant, ça devient individuel. On te prend, 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 cas par cas. Et ceux qui disent que oh, c'est Mbarga qui a lancé la fatwa, est-ce que j'ai besoin de lancer la fatwa? Je vous ai dit qu'Interpol, c'est à Yaoundé, au niveau de la poste là. C'est là où il y a le bâtiment Afrique centrale d'Interpol. Tout ce que vous faites, c'est le président Paul Biya qui dit non, laissez les enfants. Laissez. Si c'est Interpol, s'il y a beaucoup qui ne vivent plus ici à Yaoundé, ceux qui me menacent là, Interpol, ils ont une interface où tu peux aller porter plainte, tu mets les noms. Tous ceux qui me menacent, alors que je peux retrouver vos noms, je vais vous ajouter dans la fiche.
Parce que si jamais je suis dans cette affaire, on me cite comme témoin, et que vous m'avez menacé, voilà ce qu'il prévoit la loi. Protection des témoins, article 10. Parce que quand on fait des directs ici, vous croyez qu'on s'amuse. Voilà. Protection des témoins, article 10. Par l'application de la présente loi, est puni l'emprisonnement à vie celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement, de violence, de voie de fait ou de mort. Donc, toi, comment il s'appelle? Kung Aguero. J'ai bien fait les captures de ton écran. Dans cette histoire, Brice me dit de laisser la loi, je ne laisse pas la loi. Dans cette histoire, quand J.Reming, on a fait ton direct, tu as fait une capture d'écran où tu as appelé les gens à s'occuper de mon cas à Paris. Les gens ont liké. Ça veut dire que tu as l'intention. Dans cette histoire, je suis témoin, comme vous avez dit, en tant que journaliste, j'ai lancé une alerte dont je suis considéré comme témoin. Mais toi, je vais te poursuivre, y compris tout ce qui m'est. Allez effacer vos messages de menace. Vous avez encore le temps cette nuit parce que tous mes amis, j'ai mis au moins 8 personnes pour faire que les captures d'écran. Que des captures d'écran. Est puni de l'emprisonnement à vie. Donc tu peux oublier Kung Aguero. Toi, tu as demandé qu'on me tue à Paris. Tu as demandé donc pour moi, ma vie est menacée. Parce que je suis témoin, j'ai dénoncé qu'il y a eu un terroriste qui a été soutenu par un journaliste. Tu demandes qu'on me tue à Paris. Et toi, tu es, tout ton dossier a été versé ici sur Facebook avec l'affaire de Samuel et tout. Donc, ça nous coûte 30 minutes pour te localiser. J'ai ton adresse, tout. Je vais donc t'ajouter dans la liste. Et voilà ce qui va t'arriver. L'emprisonnement à vie, celui qui outrage, tu ne m'as pas outragé, menace un témoin, tu m'as menacé même implicitement de violence, de voie de fait ou de mort. Kung Aguero et tout, j'oublie les noms, Kung Aguero et tous ceux qui font le malin. Vous pensez que le Cameroun c'était de la rigolade, qu'on pouvait faire n'importe quoi. Maintenant vous commencez à réaliser que ça va être plus difficile pour vous aujourd'hui. Ça va être extrêmement difficile. Voilà la loi qui est au Cameroun. Donc, pour le Cameroun, là, ne mets un croix. Ou bien, n'amène pas les gens. Lorsque tu arrives au Cameroun, on t'attrape. Vous faites des directs. Vous dites que oh, c'est le régime de Biya. Oh, c'est les écams. Non, ça n'a rien à voir avec les écams. Rien du tout. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Il n'y a pas dans les écans, dans la nuit, il n'y a pas les écans, il n'y a pas les bamileke, non. Tu es sous le coup de la loi, ainsi que tous ceux qui m'ont menacé de prendre de loi. Tous. Merci. Kung Aguero à Manchester, merci. Ça tombe même bien, Alain Christian là-bas à Manchester. Donc, Kung Aguero, je veux commencer, on dit souvent, les exemples vivants sont d'un autre pouvoir, parce que c'est que tu viens sur l'oreille, mais direct. Écoute très bien ce message. Les exemples vivants sont dans notre pouvoir. Si Samuel est tôt, t'a laissé parce qu'il n'avait pas le temps, ou bien parce que lui ne veut pas se... Moi, je ne vais pas te laisser. Je vais te frapper juridiquement et tu serviras d'exemple. Dans les 90 jours, je vais te frapper juridiquement. J'en fais serment ici devant 500 personnes. Tu vas servir d'exemple qu'on ne menace pas des gens impunément sur Facebook. Tu as appelé à me tuer à Paris. Vous étiez 15 ou 20. Donc, tu as la malchance que c'est toi que je tire. Tu as appelé qu'on me tue à Paris. Ça veut dire que quand je marche à Paris, ma vie est menacée. Je veux faire de toi un exemple. Et tu ne peux pas m'échapper. Tu m'échappes, j'appelle mon frère. Président Maud, il connaît bien ta filiation. Tous les gens te connaissent. Donc, je veux faire de toi un exemple. Je n'ai jamais vu tes directs. Quand tu avais été pour moi avec Eto, tu as fait ceci. Je ne me suis jamais mêlé. Dans le direct de Kamoa, j'ai fait des captures où tu demandais qu'on me tue. Dans le direct de, dans le tour de Port de l'Ouest, j'ai fait des captures où tu demandes qu'on me tue.
dans le direct de J.Point, il y avait 11 000 personnes. Tu as demandé officiellement à 11 000 personnes de s'occuper de mon cas. Il y a un autre là qui a écrit que non, il est train ses valises ici à Melun. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui me connaît. Toi aussi, même si tu vas entrer dans le trou d'un rat. Je vais en faire des exemples avec vous dans les 90 jours. Si on ne vous met pas en tôle, je quitte Facebook. C'est comme ça qu'on va régler nos problèmes, désormais. C'est comme ça que nous allons régler nos problèmes. Comme toi et moi, on va passer, aller te casser la gueule. Comme tu es loin et sur loin, on va aller sur le terrain de la justice et je vais te fermer le bec. Toi et celui qui a demandé qu'on me tue. Rassurez-vous, tous ceux qui de près ou de loin m'ont proféré des menaces, je vais vous montrer que je suis écam, pour commencer. Je vais vous montrer que je suis un Camerounais et je vais vous montrer que je vis en France. Vous allez marcher au pas. Bien évidemment, sur Facebook, il y a beaucoup ici. Je lis les commentaires. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a ceux qui, il y a parfois ceux qui m'insultent parce que je ne veux pas les insulter. J'interdis les insultes. Il y a ceux qui, tous les jours, les brises fautes sont là pour me contredire. C'est normal parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on est tenu de respecter le principe de la démocratie. J'ai dit ce que j'ai envie de dire. Tu dis ce que tu as envie de dire. Dès lors que tu traverses le seuil de la liberté et que tu menaces quelqu'un de mort, tu vas voir. Pourquoi je ne poursuis pas J.Point Rémy Gono? Parce qu'il est malin. À aucun moment, il me menace de mort. Pourquoi je ne poursuis pas Camoua la Panthère? Parce qu'il est malin. Ils sont là pour me discréditer. Ils vont te dire que les Nassim Barguet vont faire. Pourquoi ne poursuis pas les El Chenou, tous ces gars-là? Parce qu'ils sont malins, ils savent très bien. Mais vous qui sont ou qui soit là dans les commentaires, dans les partages, méfiez-vous. Et nous allons en faire des cas. Les exemples vivants sont dans notre pouvoir. Voilà. Donc, et j'invite comme ça tous ceux qui vous menacent de mort. Faites la capture des camps. Et nous allons voir. C'est même devenu quoi? Mais supportez qui vous voulez. Pour le bien, le président de tous les Camerounais, vous pouvez le critiquer du 1er au 31. On s'en fout. C'est votre droit de critiquer le régime. C'est votre droit d'avoir un parti. C'est votre droit de faire tout ce que vous faites. Mais sachez que quand vous avez les droits, vous avez aussi les devoirs et des limites. Vous ne pouvez pas interdire à l'autre d'exercer le même droit que vous exercez. Qui vous menace de mort quand vous critiquez Paul Biya, quand vous critiquez les ministres, quand vous faites, qui vous menace de mort? Qui parmi les écandés ça va demander de se mettre en groupe, de venir vous attaquer? Qui? Personne. Quand tu demandes de faire arrêter quelqu'un dans les prisons du Cameroun, c'est synonyme à vouloir sa mort, monsieur. Bon, Floquant, tu mérites la mort. Voilà. Florent McDonald, s'il te plaît, conseiller, prends-moi le nom. Je ne vais pas le bloquer parce qu'il va m'échapper. Prends-moi le nom de celui-ci. Fais juste la capture d'écran. Ça va être cas par cas. Je ne demande pas qu'on arrête l'autre. Vous m'avez interpellé dans une histoire, je n'ai rien à voir. Alors, je démontre par A plus B que Calibré avait la carte presse. Et s'il avait la carte presse, c'est quelqu'un qui lui a donné la carte presse. Et dans mes investigations, une joyeuse investigation. Le bon sens, c'est la chose à mieux partager. Calibré ne pouvait pas se retrouver à cet endroit s'il n'avait pas de carte presse. Et l'autre qui filmait en hauteur ne pouvait pas se retrouver à cet endroit et filmer que la scène-là s'il n'était pas au courant, s'il n'était pas prémédité. On n'a pas besoin d'être amis. On n'a pas besoin d'être bamileko ou petit pour le dire. C'est ça le bon sens. Donc, vous qui le supportez, là, il faudra aller le défendre devant le juge. Fianguinabuyon, la blague a des limites. Facebook n'est plus un endroit où vous allez dormir tranquille. C'est terminé. Donc, pour finir avec le monsieur le menteur. Pour avoir accès quelque part, on
Merci. Il dit, il est journaliste, il a la carte de presse. Oui. Mais tu ne dis pas, tu es journaliste, tu es sorti dans quelle école? Tu as quel niveau? Tu as que la carte de presse? Moi, j'ai la carte de presse. J'ai pris la carte de presse pour deux cartes de presse. On fait la demande collective. Ah, tu présentes tes bulletins de paye. Tu prouves que le pourquoi tu demandes la carte de presse, c'est parce que ça constitue la principale source de tes revenus. Donc, tout le monde peut demander la carte. Moi, en tant que patron de presse, j'ai demandé trois cartes de presse pour les journalistes qui m'accompagnent, pour mes amis. Ils ont leur carte de presse. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un fait que tu vas brandir. Ce n'est pas suffisant pour être journaliste. Il dit qu'il est journaliste parce qu'il a la carte de presse. Il ne vous dit pas qu'il est journaliste parce qu'il travaille à tel endroit, parce que. Voilà. De l'imposture. De l'imposture. En France, si tu es... En France, prends la nationalité, tu vas mettre si tu es journaliste. Pour que tu sois journaliste, enfin, il faut entrer à l'école. Calibri Calibro, l'année dernière, avait déjà tenté cette expérience. Vous comprenez, comme quand les gens bavardent beaucoup, ils se rendent de plus en plus coupables. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la préméditation, l'intention. C'est lui qui le dit, hein, qu'il avait déjà tenté ça l'année dernière. Donc, ce n'était pas un fait de hasard. Ça veut dire que pour réussir cette année, il a eu des complicités. Allons-y. C'est toi qui le dis. Avec d'autres combattants, sachant que le seul endroit, la seule opportunité d'approcher Macron, c'est au salon de l'agriculture. Il faut signaler aux Camerounais que le salon d'agriculture, c'est comme on dit, vraiment un salon d'exposition. C'est-à-dire que tous les visiteurs peuvent avoir accès. Il suffit de payer son entrée. Donc, imaginez que vous êtes dans un stade. Vous comprenez donc, le diable, je reviens toujours avec mon mot, le diable se cache dans le détail. Tout le monde peut payer son entrée, tout le monde peut assister sur la voie son entrée, mais tout le monde ne peut pas se retrouver à cet endroit. Tout le monde ne peut pas se retrouver à cet endroit parce que tu ne peux pas te retrouver au milieu des journalistes. Les journalistes vont te dire de te mettre de côté si tu n'as rien à faire. Tout le monde ne peut pas se retrouver à cet endroit. Tu parles de l'exemple de stade de football. Justement, tout le monde ne peut pas se retrouver à la tribune. Hein, monsieur le fanfaron. Oui, j'aime bien ton exemple du stade. Tout le monde peut entrer dans un stade, mais tout le monde ne peut pas se retrouver à la tribune présidentielle. Écoutez ce qu'il dit. Vous payez votre ticket. Vous entrez dans ce stade. Et vous partez pour parler à Paul Biya. Et on va chercher plutôt un journaliste qui lui aussi s'est retrouvé là. On dit c'est lui qui a fait que vous soyez là. Vous comprenez donc que c'est un bluffeur. C'est un bluffeur. Revenons, attardons-nous sur son exemple de stade. Tu payes ton billet pour aller voir le match au stade. Comment tu vas faire pour te retrouver à la tribune présidentielle? Si tu n'as pas une accrédite, ça dit qu'il ne suffit pas d'avoir payé son billet au stade pour se retrouver à la tribune présidentielle. C'est-à-dire, en dehors du bien, il faut une certaine accréditation qui te permet de te retrouver au dernier carré des chefs d'État. C'est ça le bon sens, monsieur Aben Chéri, monsieur le vendeur de savon. C'est ça le bon sens. Je prends ton exemple. Tu payes ton billet d'avion, ton billet pour te retrouver au stade. Comment tu vas faire pour te retrouver à la tribune présidentielle alors que tu as un billet de tribune A? Vous allez voir le même match, vous êtes dans le même stade. Mais sauf qu'à l'intérieur du stade, il y a des barrières. C'est exactement ce qui s'est passé dans le salon de l'agriculture et que tu ne veux pas dire aux gens. Tu ne veux pas dire aux gens qu'au salon de l'agriculture, tu ne peux pas te trouver dans le carré des journalistes parce que c'est leur place pour mieux filmer quand il y a une personnalité. Tu ne peux pas dire qu'au salon de l'agriculture, tu vas te retrouver en train de marcher à côté du président Macron parce que vous êtes dans le salon de l'agriculture. Tu fais comment? Dans ton exemple du stade, toi-même qui es assis là, tu t'es retrouvé à côté de Macron un jour si tu n'as pas une accréditation bien spéciale. Aujourd'hui, on sait très bien, et je ne suis pas en train de le noyer, on sait très bien que
Dans toutes les expos, dans Eric Kouachou, il a accompagné le président Macron au dernier sommet au Sénégal. Il a accompagné Macron quand il était aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le carré restreint. Donc, à ce titre-là, c'est plus facile pour lui de m'amener. Il va me dire, écoute, Mbarga, tu veux filmer pour le compte. Tiens, allons-y. Tu vas m'accompagner comme caméraman. Moi, je peux très bien accompagner un journaliste comme caméraman et je vais me retrouver devant le chef de l'État. Mais je ne peux pas parce que je suis journaliste comme ça. Voilà. Au stade comme l'histoire, le salon de l'agriculture, c'est un stade où les Français, agriculteurs, éleveurs et autres se retrouvent là chaque année. C'est ce qu'on avait au Cameroun, au temps d'Amad Ouahidjo, qu'on appelait le comice agro-pastoral. Oui, oui, parle vite. Quand il y a un comice agro-pastoral à Ngolona, est-ce qu'il fallait que ce soit un journaliste qui donne sa carte d'accréditation à un visiteur pour aller rencontrer Bolivia? Mais non, le comice agro-pastoral est ouvert pour tout le monde. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre le direct, j'étais en train de dire qu'il était en train de vous mentir. C'est-à-dire qu'un patron de presse ou bien un journaliste peut effectivement avoir deux accréditations, voire trois accréditations. La plupart du temps, ces accréditations, on les prend en ligne et tu imprimes. On les prend en ligne. Donc, on n'a pas besoin de mettre la photo. Tu vas en ligne. Tu imprimes ton accréditation, tout simplement. Donc, il était en train de vous mentir pour ceux qui viennent de prendre le direct. Sauf qu'il a échoué la première fois. Calibri Calibro a compris comment est-ce que ça fonctionnait, puisqu'il avait été arrêté avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, eux également. Mais ce n'est pas quand même Eric Wolff qui a fait que les gilets jaunes se retrouvent aussi là-bas. Sauf que les gilets jaunes ont été rapidement exilés. Ils ont été dégagés. Mais concernant Calibri Calibro, il a eu l'intuition de se placer du côté de LMC. LMC, moi j'ai travaillé à Radio Monte Carlo. Voilà encore une affabulation. Il dit qu'il a eu l'intuition de se placer du côté de RMC. Je remets la vidéo et la photo. Non, toi tu finis aujourd'hui, j'y point. Voilà la photo. Il dit qu'il a eu l'intuition. Vous voyez bien que sur cette photo, il n'y a pas que RMC. Il y a au moins 30 journalistes, donc ce n'est pas qu'il était à côté de RMC. Et il est au devant en première loge. Et pour se retrouver à ce niveau, c'est des caméramans. C'est des journalistes de premier plan. Le voilà. Donc ce n'était pas une histoire de RMC. Tu es un menteur. Ce n'était pas une histoire de RMC. Voilà la vidéo qui passe en direct. Ce n'était pas une histoire de RMC. Et ici même Macron se retrouve là, c'est parce qu'il est convaincu que c'est un journaliste. Moi, je te donne dans le fax que tu n'as pas. Parce qu'il est convaincu que c'est un journaliste. Donc, il n'était pas à côté de RMC. Il était au milieu des journalistes. Parce qu'il avait une accréditation spéciale pour se retrouver là. Et tu as menti au peuple camerounais. Avant d'aller à Calcaire. Donc, le salon de l'agriculture, c'est par là. Donc, il a vu comment est-ce que Macron avait déjà longé. Et Macron étant entré dans un bar. Il n'y avait qu'une seule issue. Il est parti d'attendre là-bas. Voilà encore, il ment. Heureusement qu'on a la vidéo. Voilà encore qu'il ment. Il dit qu'il n'y avait qu'une seule issue. Alors que Macron est interpellé, il est sur place. Il dit que Calibri est parti l'attendre là-bas. Quelle seule issue? Ils sont au même endroit là, les journalistes. Macron longeait le tapis rouge et il est revenu. Donc, tu es encore en train de mentir. Il n'est pas parti l'attendre. Le voilà en direct à l'écran. Was it tout Facebook. Je te jure. De mon cher petit, de mon fils même, Calibri Calibro, parce que c'est un vaillant garçon, c'est qu'il a réussi en un temps de mouvement à esquiver là où il y avait les agents de sécurité, la garde. mais vous comprenez donc que c'est un menteur patenté. Il dit qu'il a réussi à esquiver.
Ça, c'est la vidéo. Regardez la vidéo. Ça, c'est quelqu'un qui esquive. Où est la garde là pour réussir à esquiver? Il est sur place. Lui, il vous raconte qu'il a réussi à esquiver. Il a esquivé qui? Là, maintenant, là, il a esquivé qui? Il a esquivé qui? Voilà la vidéo. Il dit qu'il a réussi à esquiver. Il est sur place. Il a esquivé personne. Il est au milieu des journalistes. On continue. Parce que c'est trop facile aujourd'hui. Vous pouvez pas. C'est trop facile aujourd'hui de faire un direct où personne ne peut te contredire. De faire un direct, d'avoir 5000 personnes avec des partages. Il dit qu'il a réussi à esquiver. On voit bien dans la vidéo qu'il est sur place. Sur place, au milieu des journalistes. Toi, tu réécris l'histoire. Toi, tu réécris l'histoire. Donc, tu es en train de mentir. Voilà. On finit. C'est bientôt fini. Emmanuel Macron, pour être resté à côté de lui. Emmanuel Macron est d'ailleurs venu à côté de lui. Mais il ne voulait pas l'interpeller. Parce que ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que ce soit là où il y a les journalistes. C'est pour ça que Calibri Calibro interpelle Macron là où il y a les journalistes. Parce qu'il voulait que la communauté internationale, particulièrement la France, qui était présente en ce moment avec la presse étrangère qui vient souvent couvrir cet événement, que tout le monde sache qu'il y a une crise humanitaire. Donc, vous comprenez donc que plus il parle, plus il enfonce le pauvre. Ça veut dire que l'intention, il dit bien, l'année passée, il a réussi, il n'a pas réussi son coup. Donc maintenant, il s'est bien organisé avec la complicité. Il dit qu'il s'est placé à un endroit où il pouvait aller vers Macron. Vous-même, vous avez vu la vidéo, qu'il est sur place au milieu des journalistes. Bref, je pense qu'on a assez démontré. Je vais couper sa vidéo. On a assez démontré que ce monsieur, vendeur de savon de son état, ce n'est pas une insulte, c'est un mérite. Tout le mérite lui revient parce qu'il a su. Il avait des émissions pour ceux, pour ceux qui ne savent pas. Il avait une émission qu'on appelait Coup Franc Condré Show. Voilà les journalistes que vous prenez pour modèle. Voilà quelqu'un qui quitte du Condré à la diplomatie sans transition. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il est journaliste parce qu'il a la carte presse. Vous-même, allez sur Internet, tapez comment avoir ma carte presse. Tout de suite, allez-y, on va vous demander les pièces à fournir. On va vous demander les pièces à fournir. Il dit qu'il est journaliste parce qu'il a la carte presse. C'est un pigiste. Il est pigiste dans les petits radios, dans les radios et tout le reste. Il fait la pige. Donc, je vais me résumer pour ceux qui ont, parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais me résumer pour ceux qui viennent de prendre le direct. Pourquoi je fais ce genre de direct? Pourquoi je procède comme ça? Parce qu'il y a trop de manipulation sur le net. C'est facile aujourd'hui de lyncher les gens. Et je le dis toujours, tout le monde n'a pas la facilité que j'ai de me connecter, d'avoir Internet et tout le reste et de pouvoir me défendre. Alors si nous ne combattons pas le sabotage, le lynchage, les fausses rumeurs, l'autre là qui braillait l'autre jour, Camo la Panthère. Il a fallu qu'on se réveille. Mais jusque-là, les gens s'en foutent. Les gens sont dans la logique de destruction, dans la logique de créer la psychose au sein de la population. Et ils se servent de vous. Voilà quelqu'un qui vient me dire après 2 heures de temps que je ne suis pas convaincant. Donc moi, je te bloque. Je te bloque pour montrer l'exemple aux autres. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien de causer. Tu mets une heure. Ce que l'autre dit, je demande ce qu'il dit. Mais après une heure, quelqu'un, tu comprends qu'il a le tarot dans la tête. Il te dit que tu n'es pas convaincant. Donc, tu n'as pas de place ici. Pourquoi je fais ce genre de direct? Parce qu'il faut se démarquer. Il faut faire la différence. Aujourd'hui, c'est facile pour tout le monde de prendre son téléphone, de poser, de parler avec 5 000, 10 000, 15 000 vues. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons vu des directs de... Voilà, nous avons vu des directs de 15, 20, 30 000 vues. Qui se souvient? Qui s'en souvient? Personne. Parce que c'est des futilités. C'est des directs récréatifs.
C'est-à-dire le temps d'un direct, on est content et tout le reste. Qui s'en souvient? Personne. Mais il faut maintenant faire la différence dans nos directs. Il faut avoir de la méthodologie. Il faut savoir ce qu'on dit aux gens. Il faut savoir, là on parle, il faut savoir pourquoi on dit. Comme ça, on évite d'avoir des directs comme celui que je viens de démonter là. Parce que quelqu'un pense que, parce qu'il a, 8000 personnes, c'est facile devant 8000 personnes d'insérer n'importe quoi. Ben voilà. Je crois que... Je me reconnecte parce que j'essaie de signaler. De toutes les façons, on est à la fin. Je suis en train de conclure. Donc, pour le cas, je me résume très rapidement. Pour le cas du journaliste qui est en garde à vue, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle encore que Interpol se trouve à Yaoundé. Donc, vous pensez du coup, quand on fait les choses souris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu avais la basse, aujourd'hui, tu avais les patriotes. Parce que quand les patriotes vont te provoquer, quand vont vouloir te lyncher, ils vont dire que, n'est-ce pas, je suis avec vous. Quand tu es. Barga, tu es minable. J'y pourrais plus convaincant que toi. Tu fais donc quoi dans mon direct? Moi, je te bloque. C'est-à-dire, je bloque les derniers. C'est-à-dire, c'est les têtes de tarot. On bavarde deux jours. Et vous comprenez le caractère dangereux des gens avec qui on a affaire. C'est ces gens à qui on a lavé le cerveau. On a lavé. Rien ne passe. Tout ce qu'il a en tête, c'est que celui-là a mal parlé de Kamto. Il faut que je le publie. Il faut que je le tue. Il faut que j'appelle mes frères, on va le tuer. Voilà la nouvelle génération que Maurice Kamto a créée. Des gens qui n'ont pas le sens du recul. Les gens qui n'ont pas le sens du discernement. J'ai pas leur dit qu'il est journaliste. Ils sont convaincus. On leur dit que J. avant d'arriver en France, il vendait le savon à Benin. Il te dit que non, tu es minable. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de la vérité. Ça veut dire qu'on a affaire à une nouvelle génération extrêmement dangereuse qu'il faut combattre avec la dernière énergie à travers des directs de sensibilisation. Et je tire comme ça un coup de chapeau à tous les écams aujourd'hui. Je tire un coup de chapeau à tous les écams qui sont en avant-plan. Parce qu'il y a un an, nous avions des problèmes de leadership, nous avions des problèmes d'ego entre nous. Il y a un an, on n'avait pas encore compris le rôle que nous avions à jouer. Mais il y a deux mois, il y a trois mois, tout a changé parce que l'éveil de conscience s'est accompli. Aujourd'hui, des gens prennent la parole, des gens dénoncent, des gens s'imposent par leur valeur. Les gens n'acceptent plus n'importe quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ça, la satisfaction morale que nous, comme ça, les pères fondateurs, pouvons avoir, c'est de savoir que quand une de nos sœurs parle, tu vois le nombre de têtes de mort que les gens lui donnent. Quand un de nos frères parle, un de nos petits frères, tu vois le nombre de têtes, tu comprends que là, l'éveil de conscience est terminé. Et je mets quiconque au défi. Dans tous les directs des écans, tous les directs, je vous mets au défi de janvier en avril. Amenez-moi un direct ou un écan. Appel à tuer les Bamiléki. Amenez-moi un direct ou un écan. Appel à tuer les gens de la basse. Amenez-moi un direct ou un écan. Appel à tuer qui que ce soit. Aucun. Parce que vous faites joue comme J. Quand il y a beaucoup de gens, vous vous mettez en groupe, vous faites ce qu'on appelle le lynchage systématique. C'est-à-dire quand Minasto veut émerger, vous vous regroupez en groupe pour commencer à tirer. Et on connaît déjà ce procédé d'insistance. C'est quand il commence à dire non, hold up, il peut vous le dire pendant 6 mois. C'est pour travailler la tête des gens qui continuent de mettre les têtes de mort. C'est-à-dire quand vous avez dit à quelqu'un, assois-toi, ouvre la tête. On dit hold up, on met hold up. On ferme. Tu reviens 6 mois après, tu lui dis, il n'y a pas eu hold up. Il va continuer à dire hold up. C'est ça les zombies politiques. Ou bien on ouvre la tête. Parce que ils ont les internet et tout le reste. Maintenant, ils vous disent, président élu,
Ils ouvraient la tête. Président élu, président élu, président élu, président élu, président élu, président élu. Tu vois les gens qui ont été à l'université, qui sont dans la même chapelle. Ils se disent que le président élu, il ne comprend pas. C'est ça qu'on appelle les zombies politiques. Ou bien quelqu'un vous dit, il vient vous dire, Paul Biya est mort, partagez, Paul Biya est mort, partagez. Et tu vois aussi les zombies, clic, 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 ils partagent, clic, 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 ils partagent. C'est des zombies politiques et ils sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. J'ai vu le direct que Junior Zogo faisait l'autre jour. Il fallait voir les têtes de mort. Ça dit, Zogo qui n'a pas l'habitude de prendre les gens. Il n'a pas l'habitude de prendre les gens dans son... Il prend quelqu'un, il lui donne la parole. Le gars, pop, 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 pop. Zogo lui dit, bon, est-ce le gars, tu comprends que sa tête est lessivée. Sa tête est déjà formatée. On a dit présent élu. On a dit, comme toi, dit que... Ils ont dit que quand maintenant je vois la nouvelle formule, non au gré à gré, tout le monde, non au gré à gré, non au gré à gré, tout, ils font des diètes, non au gré à gré, non. On me demande c'est quoi le gré à gré? Il vous dit, non, je ne sais pas, c'est le président qui a dit non au gré à gré. C'est quoi le gré à gré? Il dit que non, on a dit de partager. Vraiment, Edgar, Laurent, Junior, coach, Diamant, voilà les gens. Il faut qu'on se concentre sur ces gens. C'est des microbes qu'il faut laver au quartier. Parce qu'ils sont irrécupérables. La petite blague, c'est que dans le fameux discours de Kamto hier, Kamto dit, je vous dis, à partir de lundi, tout le monde reste chez lui. Tandis qu'il dit que, yay, le président a dit que tout le monde reste chez lui. Vraiment, ce gouvernement, ça ne fait rien. À part l'année, il reste chez lui. Ils oublient qu'il y a 6 mois, il y a 20 jours, le ministre a dit que tout le monde reste chez lui. Le premier ministre a sorti 13 mesures, tout le monde reste chez lui. Tous nos directs, on demande à nos frères de rester chez eux. Pour un temps que Kamto n'avait pas dit, ça n'entre pas. Maintenant, ils ont dit, comme Kamto a dit que tout le monde reste chez lui, tout le monde va rester chez lui. Vous comprenez qu'on a affaire à une catégorie de gens avec qui il faut les éteindre sans répit. Sans répit. Quelqu'un demande que Junior Zogo est quoi? Junior Zogo a fait... voilà. Junior Zogo est concerné, ça tombe bien, Junior Zogo est concerné par la loi de 2014, la loi antiterroriste. Écoutez bien ce qui est dit. Article 16. Aujourd'hui, c'est le coup de droit. Junior, je vais t'envoyer le... Junior Zogo, tu es connecté. Je vais t'envoyer la loi antiterroriste pour leur donner ça, pour leur faire des cours de droit. Article 16, la loi antiterroriste dit est exempte de poursuite toute personne physique ou morale qui s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution, en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire. Permet, alinéa 2, permet d'éviter par tous les moyens la réalisation de l'infraction. Article 3, permet d'identifier ses co-auteurs ou complices. Je suis allé trop vite. Junior, et tout de suite là, je te donne l'article. Ça dit que Junior est européen très bien rentré au pays. Il n'est pas concerné par l'article antiterroriste. Du moins, il est concerné, mais on dit bien article 16 est exempt. Exempt veut dire ne peut pas être poursuivi. Est exempt de poursuite toute personne physique ou morale qui s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme. Ça veut dire que si Junior Zogo était avec la base pour commettre des actes de terrorisme avant le commencement, donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire. Écoutez tous les directs de Zogo. Quand il a dit stop, ça suffit. Permet d'éviter par tout moyen la réalisation de l'infraction et permet d'identifier ses co-auteurs ou complices. Donc, pour conclure ce sujet sur Zogo, l'article 16, l'exemple de toute poursuite, bien écrit noir et blanc. Qui vient hier un Baudouin, une grogne, elle nous dit. Bien exemple, voilà l'article.
que vous ne pensez pas que je raconte des bêtises. Voilà l'article 16. J'agrandis. Voilà l'article 16. Voilà l'article 16. Un exemple. Tout le monde, je le remets, c'est important. Et ça concerne tous ceux qui ont renoncé à la base, qui ne vous effraient pas. Si vous dénoncez les actes de terrorisme, le législateur a prévu qu'on ne vous fera rien. Donc, qu'ils ne viennent pas vous faire la surenchère. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la base qui ont peur qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Voilà la loi à l'écran. Donc, on va la lire ensemble. Article 16, exemption. Un exemple de poursuite, toute personne physique ou morale qui s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution, alinéa 1, en donne connaissance à l'autorité administrative, c'est-à-dire qu'il dénonce ce qui se prépare, autorité administrative, judiciaire ou militaire. Alinéa 2 permet d'éviter par tout moyen la réalisation de l'infraction. Et maintenant, alinéa 3 permet d'identifier ses co-auteurs ou complices. Parce que je vois là, de temps en temps, ils remettent les vidéos de Junior, ils remettent les vidéos de Banderas. Que veut dire exemple? Exemple veut dire qu'on ne peut pas le poursuivre, Lorenzo. Ça ne sert à rien de brandir cette menace, elle est révolue. Donc, Junior, je t'envoie tout de suite la loi antiterroriste en PDF après ce direct. Donc, une fois qu'on dit cela et qu'on est clair une fois pour toutes, vous comprenez que nous ne sommes plus là pour nous amuser. C'est terminé la récréation. C'est terminé. Voilà. Donc, je vais lire un dernier commentaire. Alors, j'ai un autre direct là. J'ai une capture qu'on m'a envoyée. Voilà. Donc, chers amis, je pense qu'on est arrivé au terme de cette émission qui était très enrichissante. Anango est également concerné par l'article 16. Anango est concerné par l'article 16 des exemptions. Maintenant, il faut prouver que, ils n'ont plus besoin de prouver, leur direct parle pour eux. Savez qu'ils étaient hier, ils se sont rendus compte que c'est des terroristes et des criminels. Quand tu arrives au Cameroun, tu brandis ton... La loi est dure, mais c'est la loi. Et je m'adresse à ceux qui sont encore à la base et qui ont l'impression qu'ils sont coincés. Vous avez une porte de sortie. Article 16 de la loi antiterroriste de 2014. Vous pouvez encore rejoindre les patriotes. Parce qu'ils savent que beaucoup de personnes à la base sont coincées aujourd'hui. Parce qu'au début, ils ont cru que non, c'est une histoire que vraiment on réclame pour le pays et tout le reste. Mais se rend compte de plus en plus, les gens les entraînent dans des actes terroristes, dans des actions terroristes, dans des paroles de terrorisme. Vous pouvez encore sortir de là, il est encore temps. Rejoignez la base, rejoignez les patriotes et prouvez que vous avez renoncé avant tout commencement d'exécution. Donc, je vais arrêter là aujourd'hui pour dire que nous avons vu les témoignages. Ceux qui ont des vidéos de sensibilisation en patois, en Douala, en Bassa, en Bamileke, en Ewodo, envoyez-les nous. Parce que chaque jour, nous allons faire des petits programmes de 7 minutes. Parce que la sensibilisation aussi doit être sectorielle. C'est bien de faire une sensibilisation nationale et internationale, mais aussi apprenez à parler à vos familles. Et quand je dis la famille, apprenez à parler à vos villages. Tu vois, on ne s'occupe pas du village. Apprenez à dire aux gens que même au village, on doit appliquer les mesures strictes de confinement, le respect des règles hygiéniques. Même au village, ils ont aussi besoin de ça. Ils ont besoin, donc à travers vos directs, vous pouvez vous adresser directement à vous, aux gens de vos départements, de votre arrondissement, de vos villages. Le message est plus perceptible. Voilà. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, au début, j'ai parlé du direct de comment il s'appelle, J. Paul Remingo, non? Pour montrer que c'est un imposteur.
Ils ont voulu me lyncher en disant que non, c'est Mbarga qui est parti, qui a fait ceci. Non, vous oubliez que la loi est dure, mais c'est la loi. Vous ne rendez pas service en vous mettant en groupe pour demander la libération de l'autre. On va peut-être les libérer, mais la police, la gendarmerie a tout à fait le droit de le garder 15 jours, 30 jours. S'il est prouvé qu'il est innocent, on va le libérer. Mais vous ne pouvez pas faire qu'on arrête, on met quelqu'un en garde à vue avant-hier. Vous mettez en étude 11 000 personnes, vous partagez ça 4 000 fois. Ça ne donne pas. Et je salue également comme ça, toute l'action, on va remercier chaque semaine, chaque jour, toute l'action des forces de police au Cameroun. On a des vidéos, des images. La police fait un travail exceptionnel aujourd'hui de sensibilisation et de prévention. Parce que demain, après demain, quand on va passer à la phase de répression, il ne faut pas que les gens se plaignent. La police passe plus de temps actuellement, toute la semaine. Ils ont passé plus de temps à sensibiliser les gens sur la nécessité de ne pas se retrouver en groupe, sur la nécessité de ne plus porter les gens en moto, sur la nécessité de ne plus bâcher dans les taxis. Et ça, personne n'en parle. Il faut parler des actions qui sont bien. La police, toute la semaine, était une police de sensibilisation. Sensibiliser, attention, il y a le coronavirus, attention, ne surchargez plus, attention à la moto, quand les 18h, n'allez plus dans les bars, respectez ceci. La police le fait et les gens qui sont contre le régime ne vous diront jamais qu'ils le font. Mais quand on va passer la phase des répressions, peut-être à partir de la semaine prochaine, vous allez voir comment ils vont commencer à tirer sur la police. Alors que la police, nous avons des retours, la police fait un travail exceptionnel et les gens adhèrent massivement au jour le jour, au respect strict, et à l'application des 13 mesures qui ont été énoncées par le Premier ministre. Et ça, quand c'est bien, il faut le dire. Et si vous voulez savoir, là, il faut le dire, c'est ici la bonne information. Ce n'est pas là où les gens luttent contre le système. Ils vous diront juste ce qui ne va pas. Ils ne vous diront jamais ce qui est fait et qui est bien fait. Un coup de chapeau comme ça à l'action du ministre de la Santé. Un coup de chapeau comme ça à tous les médecins de l'hôpital central, de l'hôpital La Quintini, à tous ces infirmières aujourd'hui qui risquent leur vie, qui passent le temps pour sauver les gens. Voilà le Cameroun donc que nous devons célébrer. Voilà les Camerounais que nous devons célébrer. Parce que quand on dit qu'une infirmière, un médecin a sauvé la vie, on ne cherche pas à savoir si c'était quand, si c'était un Bamileke, s'il est du gouvernement ou pas. On célèbre les gens qui sauvent des vies. Nous allons continuer à faire ce genre de direct. Donc, multipliez les messages, même de 2 minutes. Vous m'envoyez ça inbox et je vais les diffuser chaque soir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Une agréable soirée. Alors, Junior, je vous dis... Ouais, non, il répondait à quelqu'un qui demandait quel est ton problème avec moi, le Cameroun, c'est mon pays. Non, le Junior Zoro, je t'envoie tout de suite le... je t'envoie tout de suite la loi. Brice Fautso dit que Mnassim Mbarga doit démissionner comme chef et Cameroun. Il n'y a pas de problème, c'est démission. Salut Alain Christian. Il dit qu'on ne partage pas les liens avec les moutons. Je sens qu'ils sont tous énervés. Salut Marie-Thérèse. Voilà, Françoise Evelyne dit, le nombre de vues n'est pas important, c'est la qualité, le message véhiculé. Merci beaucoup, Françoise. Marie Pulqueria, je sais que tu es là depuis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Florent qui demande à Zogo d'aller au Cameroun, comme il est exempté, je me demande qui vous moquez de ce dont vous dites supporter. Mais non, on n'a pas besoin, on ne se moque pas des gens. Je ne fais que dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Ce n'est pas moi qui ai écrit la loi. La loi est claire et c'est pour ça que je l'ai mise à l'écran. Pour que vous sachiez qu'on ne raconte pas n'importe quoi. La liberté d'un journaliste s'arrête ou commence celle des intérêts de l'État. Armand et Cindy. Voilà. Voilà. Bon, c'est toujours les mêmes gens, Alex Wanko, qui brandissent toujours les mauvaises... le Rwanda avance sans passer leur temps sur les bons. Ils ont toujours les mauvais exemples. Le Rwanda, machin, truc. Claude Cameroun dit, Phil Marshall peut aussi sortir s'il rejoint les patrouilles. Bien sûr, parce que
Les dispositions ont été prises pour nos frères qui ont pris les armes au Nord-Ouest. Il y a ce qu'on appelle la réinsertion. Il peut sortir. Il va entrer dans le cadre des lois qui ont été prévues à cet effet. Il peut sortir. Et je crois que plusieurs fois, le chef d'État a demandé qu'il dépose les armes. Et qu'il. Voilà, donc je te réponds. Donc voilà, je ne pouvais pas finir sans lire les commentaires. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous à un prochain direct. Voilà, deux ou trois commentaires, c'est bon. Que j'ai 10 minutes là avant de commencer mon tour de travail pour vous passer un petit message. Donc je vois ces jours-ci qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur le lavage des mains, sur l'importance de se désinfecter les mains, de se laver les mains tout le temps pour barrer la route à ce coronavirus. J'aimerais apporter une petite précision, c'est que il ne suffit pas juste de mettre de l'eau sur les mains et le savon frotter et puis rincer. L'opération n'est efficace que si elle dure au moins 20 secondes, donc entre 20 et 30 secondes. 20 secondes, c'est à peu près la récitation d'un autre père, plus ou moins pour vous donner le timing. Et il faut bien se laver les mains. Ça veut dire quoi? D'abord mouiller, mettre de l'eau sur ses mains, frotter de cette façon, retourner, frotter par le haut. Faire la même chose de l'autre côté. Frotter entre les mains comme ça. Ou bien laver, nettoyer les ongles parce que le virus aussi peut se mettre dans les ongles. Donc il faut frotter de ce côté. Changer de côté. Faire la même chose de cette manière. Donc je vous ai déjà dit comme ça. Voilà. Vous avez le pouce aussi parce que le pouce étant un doigt qui reste à l'extérieur. Donc parfois en lavant les mains, on peut l'oublier. La même chose de l'autre côté. Prendre la main droite, frotter l'intérieur de la main gauche de cette manière-là et faire la même chose de l'autre côté. Donc, bien frotter les mains, bien savonner, c'est-à-dire que ça ne doit pas juste être l'eau, le savon comme on fait d'habitude et puis on rince, non. Sinon, la désinfection n'est pas efficace. Elle doit durer environ 20 à 30 secondes. Donc, c'est la petite précision que je voulais apporter. J'encourage tous ceux qui sont sur le front et même ceux qui sont à la maison parce que j'imagine qu'être à la maison, ce n'est pas non plus facile. Et j'encourage tous ceux qui nous aident, voilà, à assurer la continuité de ce combat. Donc, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end pour ceux qui sont à la maison et à nous revoir très bientôt. Bye bye.